Salut les gars, mesdames, messieurs, bonsoir et ça fait plaisir de se retrouver. Regardez, petite surprise, y'a Kiki, c'est pour moi que je suis en bonne santé, mon âme. J'espère que tu vas bien, mon âme. Écoute, ça fait plaisir de te voir, Kiki, et je vois que t'as toujours la classe et ça fait toujours plaisir en tout cas. Et soit c'est la caméra qui t'embellit, soit c'est toi qui t'embellit, je sais pas, mais écoute, on va dire que t'as acheté une bonne caméra en tout cas. J'ai enfin réussi à l'avoir. Mais en tout cas, merci mon Manso. Mais c'est surtout que cher putain, hein, donc du coup, on était bien sympa, on a une petite réunion là avec Pino là. Et surtout, j'ai l'accréditation, les gars. Il y a l'accréditation. Mais qu'est-ce qu'il faut? Regardez, les gars, c'est la vraie accréditation, les gars. Là-bas, ça fait plaisir. Ça, plus l'attestation. Donc là, on est pareil, les gars. On est au pays. En tout cas, j'espère que. Ouais, c'est un petit peu fort là. Attends, on va baisser un peu la musique, les gars. On va baisser un peu la musique, en tout cas j'espère que vous allez bien. Merci, on a encore des problèmes de son, c'est vrai qu'on a du mal à régler le son. Il faudrait avoir un Pat Le Guen ou un Philippe Corti, mon dame soupe, pour qu'on soit bon sur le son là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais je pense que la dernière journée de la district, on aura le son un peu calé, ouais, normalement. C'est ça, normalement, ça devrait. Voilà, la dernière journée de la district, les gars, voilà, par là, on sera top sur le son. En tout cas, on va passer une bonne soirée, mon dame soupe. Juste, petit truc, tu voulais. Souvent, on vous dit, les gars, de sortir votre attestation. Tu m'as raconté il y a quelques secondes, mon dame soupe. Je t'ai fait contrôler, hein. Faut avoir son attestation, mon dame soupe, raconte-nous ça. Ouais, je me suis fait contrôler exactement juste devant chez moi. Ils étaient là, ces salauds là. Et du coup, ils étaient là, ils m'ont dit: ouais, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Starcy? J'ai dit: ouais, je rentre du boulot, il y en a qui bossent. Donc du coup, c'est passé. Mais j'ai montré l'attestation, heureusement que je l'avais, les gars. Autrement, c'était 135 euros dans le. Vous savez quoi. Donc voilà, donc on fait attention, les gars, on sort le petit papier et comme ça, on est tranquille. Mais voilà, du coup, on vous le dit, on vous le répète toujours, hein, en plus à la fin, on vous dit, n'oubliez pas votre attestation, dame sous la vue, voilà, comme quoi, après, on n'a pas de problème. Hey, salut à Phil, salut à Raph, salut à Pierrot, salut à Didou, tout le monde est là sur le live, on a des belles affiches, mon dame sous, ce soir, que je vais te montrer de suite, mais juste avant de commencer, juste petite pensée, mon dame sous, je l'ai appris il y a 20 minutes, le décès de Gérard Houllier, ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu quelque chose, décidément, entre Maradona et Gérard Houllier. Et puis voilà, donc du coup, petite pensée à ses proches et voilà, si. Voilà, c'était ouais, petit message, ça m'a fait quelque chose quand même. Qui était un très bon entraîneur. Déjà, tout d'abord, salut Pierrot, salut la Cobatim, salut Didou, salut tout le monde, les gars, ceux qui sont sur le live, encore une fois ce soir, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Ouais, juste par rapport à Gérard Houllier, ouais, je pense que tout le monde connaît cette personne qui a entraîné Paris, qui a entraîné Lyon et surtout Liverpool. Moi, je l'ai connu surtout quand il a entraîné Liverpool avec le grand Liverpool qu'on a connu avec Djibril Cissé, Milan Baros, des vraiment les Liverpool qui tournaient à plein régime. Et ouais, c'était un sacré entraîneur et voilà qui est décédé. Bon ben après c'est la vie, on va dire, mais bon, c'est vrai que on a vécu des bons moments à travers ses coachings et tout, et voilà, ouais. Pense à toute sa famille. Par contre, on voit qu'on retient pas l'équipe de France et 93, hein, mon Damso. Ouais, non, on va pas retenir ça. On va retenir ça, en tout cas. On pense à ses proches. Voilà, les gars, en tout cas, on est passé là. C'est le petit hommage. Maintenant, regardez le calendrier. Il y a encore une petite modif, les gars. Regardez bien. C'était bon ce soir. Pas de changement. On est lundi 14. Hein, on a bien nos 4 matchs. Hein, Canet-Roussillon, Jimirpois. Paris-Marne-la-Vallée contre Saint-Cyprien, Marseille contre El Kebab et Paris United contre Carcassonne. Par contre, du coup, ça sera vendredi le multiplex, et non pas jeudi, encore une fois, pour des raisons pro. Ce sera la Cobatim et parmi les chèques, il y a des gens qui viennent en repérage, hein, de la Cobatim un petit peu pour voir ce qui se passe ce soir. On sait qu'il y a Raph et qu'il y a Vévé qui joue avec le Paris United. Cette équipe de la Cobatim qui va être attendue contre Pamir, ça va être un gros match. Ça sera le match le plus important. Il y aura une autre belle affiche, ça sera Urban Soccer Montaudran contre Muret. Deux belles affiches vendredi prochain. Et après, on aura El Nerac aussi du côté de Nerac. Je sais qu'on va nous regarder du côté de Fredo Raja. Et puis un petit Fouamez que personne ne regardera, mais on sera là pour le faire vivre pour une fois. On pourrait voir cette équipe de Foix et de Metz. Et puis surtout parce qu'il y a quand même une belle équipe de Foix qui est déjà qualifiée. Et contre une équipe de Metz qui va vouloir sauver l'honneur, mon dame sous. Bah voilà un petit peu le programme. Moi, ce que je te propose, mon dame sous, c'est de regarder les matchs de ce soir et que tu me dises ce que t'en penses. Canet-Roussillon contre la Jimirpois Contirou, ça sera le match de la qualif, tout simplement. Regardez la Jimirpois et Canet qui sont à 3 points chacun. Tout simplement, celui qui gagne, il va se qualifier pour les 8e de finale. Par contre, en cas de match nul, ce sera la Jimirpois qui est en balle au taf, favorable, mon dame sous. Puis dans l'autre match, Paris-Marne-la-Vallée contre Saint-Cyprien. Pour le moment, ça sera un peu un match pour du beurre. Là où ça pourrait compter, en cas de victoire de Paris-Marne-la-Vallée, c'est que, bah, du coup, la Jimirpois pourrait prendre la première place, mon dame sous.
Ouais, la Gimir peut prendre la première place et je pense qu'ils vont s'en donner les moyens ce soir. Et voilà, je sais qu'Adrien Kabidi a fait ce qu'il fallait. Il a fait une très très grosse préparation. Et il a fait une très très grosse préparation mentale parce que c'est vrai que mentalement en ce moment il n'y est pas trop parce qu'il fait ce qu'il faut sur le terrain, mais il n'a pas de réussite. Donc je sais que voilà, il a beaucoup discuté avec Ayoub et avec Damien Benchadi. Ils ont beaucoup parlé tous les trois et voilà, parce que c'est vrai qu'il baissait un peu les bras, mais effectivement. Hein, il fait tout devant le but, mais ça rentre pas. Et donc c'est compliqué. On sait qu'en attaquant, ça peut mentalement, c'est important. Et voilà, je pense qu'il a été bien épaulé par ses coéquipiers et ils ont montré, surtout l'entraîneur aussi, a montré sa confiance à Adrien Kabidi encore une fois ce soir. Bon, en tout cas, on verra Didou, parce que Didou, aujourd'hui, il faut qu'il brille, parce qu'il va avoir deux matchs pour briller. Il a ce match avec la Gimir Point, mais il aura aussi le match avec Marseille contre El Kebab, là aussi. Il y a un match pour la qualif. Et regardez le classement du groupe D, avec Paris United qui est à 4 points et El Kebab à 4 points. Marseille 1 point et Carcassonne 1 point. Mais regardez, si Marseille l'emporte par un but d'écart, ça serait une égalité parfaite entre El Kebab et Marseille. Je vous rappelle la règle, les gars. C'est pour se qualifier le premier. Bon, c'est les points, bien sûr. Et après, c'est le goal à virage. Et enfin, c'est les buts marqués. Par contre, Rachid Bensoussan, quand il a écrit le règlement de la district, mon dessous, il n'a pas prévu ce qui se passait, il n'a pas parlé de confrontation directe ou je sais pas quoi, ce qui fait qu'en cas d'égalité parfaite, eh ben on est dans la merde, mon dessous, on sait pas ce qu'on, on sait pas comment ça va se passer, parce que du coup, comme on n'a pas dit depuis le début que pour se départager les deux équipes, c'était la confrontation directe, bah du coup, El Kebab, ils peuvent gueuler, hein, si on les qualifie comme ça, enfin, on les élimine comme ça, donc du coup, on est un petit peu en stand-by, on verra comment ça se passe, on espère juste que Marseille va pas gagner par un but d'écart pour nous. Pour nous compliquer la tâche, on verra comment ça va se passer, mais on voilà, du coup, il Ouais, faudra peut-être après, avoir Rachid Bensoussan à la fin. très gros match entre Marseille et le Kebab ce soir, je pense, parce que c'est vraiment deux équipes qui ont vraiment envie de voilà, c'est le deuxième contre le troisième. Et voilà, c'est Marseille qui se doit impérativement de gagner. Voilà, s'ils gagnent pas ce soir, ça risque d'être compliqué selon le résultat de Paris United, encore une fois, et de Carcassonne. Mais voilà, et je pense que Carcassonne va faire un gros match ce soir aussi. Ouais, c'est leur dernier match. Là, c'est cette poule-là, c'est malheur aux vaincus, comme on dit, parce que vraiment, c'est serré. Et ceux qui gagneront ce soir seront vraiment les victorieux de la soirée. Et oui, et surtout que regarde, si Carcassonne se l'emporte par deux buts d'écart, ils passent devant Paris et ils peuvent jouer à la qualif aussi. Exactement. Carcassonne, tout le monde peut se qualifier dans ce groupe qui est ultra serré, tout peut arriver. Et on va avoir du suspense, mon Amsou. Bon, Et mais tout tout ça en ça, multiplex, ça et tout fait ça en plaisir. multiplex, les gars, parce que oui, c'est aussi ça le principe, c'est le multiplex, tous les matchs en même temps. Ça va être n'importe quoi, peut-être comme d'habitude, mon Amsou. On sait pas où donner la tête, surtout qu'en plus en multiplex, normalement ça dure 90 minutes sur Canal+. Et nous, c'est une minute de 10 minutes de 10 minutes de la mi-temps, ça va être assez rapide. Mais c'est ça aussi, comme ça au moins ça va être rythmé, Mais on espère. Guigui, comme dirait Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Avant les gars, avant de vous faire le 11 de chaque équipe assez rapidement, on va pas non plus, on va y passer un petit peu de temps vite fait, mais voilà, vous commencez à connaître un petit peu les équipes. Juste, je voulais faire un petit point sur le classement des buteurs, mon Damsou, parce que Pierre Magnan, regarde, il est venu, il rattrape un peu Maxou. Et du coup, maintenant pour le podium, ça peut être serré. Et puis, on voit pas Didou qui a deux buts, mais si Didou là il a deux matchs et qu'il commence à planter, il peut venir dans ce classement aussi. Et c'est ce qu'on espère aussi, c'est de voir Didou dans ce classement, mon Damsou. Ouais, c'est de voir Didou parce qu'il le mérite. Hein. Sincèrement, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il est toujours proche des supporters, toujours abordable, contrairement à Maxime Fouché qui garde le casque quand il descend du bus. Voilà, c'est vrai, non, mais après, à juste titre, peut-être, parce que c'est vrai qu'il a 13 buts. Et peut-être d'être complètement concentré sur son sujet, et de pas signer d'autographe et d'aller voir les supporters, peut-être ça fait aussi le fait qu'il soit à 13 buts. Mais bon, je pense que c'est bien aussi d'avoir de la proximité. Adrien Kabidi a tout compris sur ça et ouais, c'est moi j'ai déjà eu fait des grillades avec ce garçon-là et c'est le roi de la saucisse merguez et ça fait plaisir et voilà, en tout cas non, mais c'est ça fait vraiment plaisir parce que ce garçon est très très abordable et voilà, et je pense que ce soir il va faire ce qu'il faut, il va faire le boulot que ce soit pour Marseille ou pour l'AJ Compte-Rouge et voilà, parce qu'il nous sort toujours des actions de grande classe, mais il lui manque toujours
toujours le cadre et ce soir, je pense que ça va payer. Et à défaut d'enfiler les buts, mon Damsou, on enfile les merguez, comme on dit. Voilà, mon Damsou. Allez, les gars, regardez tout simplement. On va regarder un petit peu les 11 de ces équipes. Désolé pour la technique un petit peu moyenne. Allez, on regarde un petit peu les compositions. Je vais essayer de prendre un truc, ça va être un peu compliqué. Ça sera donc pour Kané. Alors, on va commencer par Kané, la Gemirepoix, mon Damsou. Je vais commencer par l'équipe de la Gemirepoix, qui est un peu plus connue. Avec Serda dans les buts, Mansouri, Ougaïda, Grunspan et Serge Mansouri en défense. Avec deux récupérateurs, ça sera Hafizouri et Sofiane Elbissis. En 10, ça sera Dame Ben Chadi et il aura une attaque à 3, on va dire, avec Ayoub et David sur les côtés et avec un Adrien Kabidi, un David Lafont qui aura plus le rôle d'un Youri Djorkaeff, un peu plus électron libre, mon Damsou. Ouais, un peu plus électron libre et c'est là qu'on aime le voir jouer parce que c'est un garçon sans prétention et sans dire quoi que ce soit. Je pense que c'est le joueur le plus technique de ce district. Voilà, sur les dribbles, tu sais très bien, tu l'as déjà vu jouer, évoluer, Guillaume. Voilà, c'est un garçon très très technique qui va 2000 à l'heure, qui a les deux pieds aussi. Et voilà, s'il joue en électron libre juste derrière un Adrien Kabidi avec sur le côté un Ayoub Zouri, ouais, là c'est la bonne composition et je pense que ça va payer ce soir. Et puis après, du côté mon Damsou de Kané, je vais faire très vite, on connaît un petit peu moins. Pourtant, c'est une équipe qui joue en National 3, avec Ferry dans les buts, Diarra, Willock, Altan, Mahon, De Morgan, Suter, Djaoudi, Gaspar Auto, Baye, Vercruis et Taboué. Sachez que Vercruis Taboué, pour le moment, ça a fait du mal dans cette district. Ouais, vers Chris Tchaboué, c'est deux pépites, hein, on fait qu'en parler. Moi, je me régale même aux entraînements de les voir jouer. Voilà, c'est à chaque fois que les adversaires ont le chasuble jaune et que vers Chris et Tchaboué ont le chasuble rouge, les adversaires pleurent parce qu'ils savent que ça va à 2000 à l'heure, c'est très technique. Ouais, c'est deux garçons que j'ai découverts sur cette district et que vraiment j'apprécie voir jouer parce que c'est une complémentarité. Je pense que c'est l'une des meilleures complémentarités de la district et c'est des garçons qui sont dans le surtout Vercruis qui est dans le top buteur et c'est pas pour rien parce que c'est un garçon qui va vite, qui est très intelligent et ouais, attention à ça de ce soir pour les équipes adverses. En tout cas, ça sera un match qui va jouer à Braga. Ça va être compliqué pour la Gemirepoix contre Tirou, mais on y croit. En tout cas, on a travaillé pour. Ça fait 2 semaines qu'on se prépare du côté du Mirepoix contre Tirou pour aller accrocher cette qualif. Allez, très vite. Paris-Marne-la-Vallée contre Saint-Cyprien. Je vous fais les deux 11. Avec pour Paris-Marne-la-Vallée, Vrenier dans les buts. Quant à Cornet, Kevin Rabet, Gianluca avec Steve Olilo, Kevin Olilo, Mathieu Guillaume, Thomas, Alex Olilo avec Antoine Payon et bien sûr Nicolas Rabet. Et de l'autre côté Saint-Cyprien, Pierre Urban, Guillaume Fouché, Charles. Vivien Laïd, Théo Brucker, Roel, Pascal Padro, Senzo Laïd, Maxime Boucher, Ben Ali, et bien sûr Patrick Sibieta. Là, alors c'est pas un match qui va vraiment trop compter, mais en tout cas c'est un match. Alors j'allais dire qu'on allait voir des buts. J'ai une petite info aussi, une petite précision. C'est quand même Yves Grenier et Pierre Urban qui sont les deux meilleurs gardiens des deux derniers districts. Exactement, ouais, tu l'as dit, donc ça risque d'être vraiment un match, encore une fois, des gardiens. C'est l'un des meilleurs gardiens contre l'un des meilleurs gardiens. Voilà, c'est les deux meilleurs gardiens. Voilà, c'est Thomas Price Edouard. Ouais, voilà, exactement. Merci Guigui. Mais voilà, on va dire un peu que c'est tout à fait ça. Et du coup, voilà, et après, du côté de Paris-Marne-la-Vallée, voilà, c'est les frères Rabet et les frères Olilou qui composent pratiquement toute l'équipe, quoi. Voilà, ils ont travaillé, ils ont fait quelques saisons à Disney aussi, heureusement. On a pu aller gratuitement grâce à eux. On les C'est vrai remercie en encore une plus. fois. C'est vrai. Ah, on a gratté un petit peu. C'est pas pour rien qu'ils sont là, Paris-Marne-la-Vallée, je vous le dis. Hein. Je crois qu'ils nous ont refait un petit peu quelques. Eh, attends, 90 balles, mon Damsou, 90 balles pour la journée. Juste deux parcs en Ah plus. Non, mais heureusement qu'on a des S'il contacts. n'y a pas Il y a Kevin Rabet, mon Pogba gars. Aussi à l'époque. N'oublie pas Paul Pogba qui a commencé à Disney aussi. Ouais. Qui parlait anglais et russe. Donc c'est vrai que ça sert. C'est vrai que ça sert. Merci à Paul aussi. Et Paul qui est pas titulaire Comme d'ailleurs dans ce quoi, match. Vous avez vu, on peut être un très grand joueur et avoir commencé à Disney. Et exactement, il hein, y a pas de les rêves les plus grands sont pas les plus petits. Bon enfin en tout cas, je sais pas ce que je voulais dire, mais en tout cas mon Damsou, voilà ce match, on ira sur ce match par contre que s'il y a des buts parce que comme c'est priorité quand même à Cannes en Roussillon et à l'Olympique de Marseille contre le Kebab, c'est l'autre match important. Je pense c'est là où on va falloir se focaliser avec une équipe de l'Olympique de Marseille avec Benji Lopez dans les buts, Majidou Gaïda, Thomas Del Pozo en défense centrale, Jeff Ratanari avec Serge Mansouri sur le côté. De trois récupérateurs, Sofiane Elbissis, Mathieu, Max,
Max Campbell, excusez-moi. Charlie Campbell, Jean-Louis Dragon en attaque avec Fredo Rocha et Didou en pointe, Mondamsou. Et du côté d'El Kebab, ça rejoint dans les buts avec Majid Hafid. Idriss en défense, Bilal Ezzahi dans récupérateur, Mehdi Abdel sur les côtés, Mehdi Nio en 10, Adil et Ayoub en attaque. Ouais, c'est quelle confrontation, franchement, ces deux grosses équipes. Là, je peux pas vous dire qui va gagner ce match. Franchement, si toi tu peux me dire, Guy, mais moi je peux pas dire qui va gagner ce match parce qu'il y a de la qualité technique. Dans tous les côtés du terrain, il y a du physique avec notamment Afizouri en défense centrale qui va être vraiment confronté à Majidou Gaïda. Donc c'est vraiment des joueurs similaires qui sont très très costauds, qui aiment faire les pauses pipi pendant les entraînements, n'oublions pas. Mais voilà, c'est des joueurs qui font des grosses préparations physiques et qui sont très très agressifs sur les attaquants. Et voilà, devant ça se voit aussi, voilà, avec Adil qui a un pied gauche vraiment magnifique. Et de l'autre côté, Fredo Raja, pareil, qui a un pied gauche qui a une main à la place du pied. Après, Jean-Louis Dragon qui est très technique, très rapide. Voilà, il y a Medinho aussi que j'aime beaucoup du côté d'El Kebab. Il y a de la qualité partout, franchement, avec Sofiane Elbissis. Et voilà, Adrien Kabidi qui va avoir à cœur aussi au stade Vélodrome de marquer ce petit but qui va enflammer le stade. En tout cas, on a hâte de voir ça, Vélodrome. C'est là qu'on commencera le multiplex. Ça sera Vélodrome pour écouter la musique d'entrée. Une autre entrée qui est pas mal aussi du côté de Paris United, au Parc des Princes. Avec, alors là, alors juste, je veux établir la vérité, une petite erreur. Arnaud Carbo qui sera dans les buts. Alors, je sais qu'il est fan de l'OM et qui sera dans les buts de l'OM la prochaine fois, quoi qu'il arrive. C'est juste que il devait livrer des cartes justement, et on va en parler. Bah, je sais, et je vais en profiter, mon dame Sou. Tu sais quoi? On va faire une petite pub. On va faire une pub pour French Card, justement. Arnaud Carbo, on en parle. On lui fait une petite pub, les gars, si vous voulez faire des cadeaux de Noël. Là, les cartes fut, j'en profite parce que voilà, il a livré il n'y a pas longtemps. Allez voir son profil, les gars, c'est vraiment énorme ce qu'il fait. C'est vraiment du travail Ouais, allez propre. voir les gars, c'est bien, c'est intéressant, ça coûte rien. C'est pas obligé d'acheter ou quoi que ce soit, ça coûte rien d'aller jeter un oeil et peut-être que vous aurez des idées cadeaux. Et voilà, c'est un garçon très très sérieux et qui est vraiment moi j'adore ce garçon parce que il est très pro et voilà, quand il peut arranger, il arrange et voilà et voilà, de toute façon les commandes parlent pour elles-mêmes, hein. Il a des commandes de partout. Et notamment, voilà, je rebondis sur ce que tu as dit, Guigui, il est à fond pour Marseille. Voilà, il est un peu comme moi, il est passionné par l'OM. Mais voilà, il ne pouvait pas jouer avec l'OM ce soir parce qu'il a été livré sur Paris. Et effectivement, au moment de la livraison, les mecs de Paris United lui ont fait comprendre que s'il ne jouait pas avec Paris United, eh bien, il ne lui prenait pas les cartes. Donc il a été un peu coincé. Donc il a dû jouer avec eux. Donc voilà, ouais, c'est ça aussi, Arnaud, c'est le cœur. Voilà, je pense qu'il était un peu dégoûté d'être dans les buts de Paris, mais après il a dû faire le boulot quand même. Ouais, bah après qu'on le rassure, c'est pas le PSG, hein. Et Paris United, et c'est un peu l'anti-PSG. Il y a des petits trucs avec le PSG, des petites Mais tensions, donc ça va, justement, c'est il joue pas avec le l'argument qu'a PSG, donné Paris United en disant bon, c'est pas tout à fait le PSG, c'est pas pareil. Donc voilà, donc bon, il a dit bon, écoutez, on va faire ça, et voilà, et ça va passer Bah, vite. en tout cas, les gars, grosse info, en fonction de comment ça se passe par la suite, Bibi de sa poche, il va commander une carte pour Arnaud, et vous savez quoi, il y aura un petit jeu. Et Bibi vous offrira une carte French Card, les gars. Franchement, il vous offrira une carte façon fut. On fera un petit jeu d'ici la Ouais, je rentrée. pense qu'il y On aura, fera un petit voilà, truc. il y aura un truc à faire avec Arnaud, on va y en parler. Et je pense que voilà, il y aura un petit truc à faire peut-être pour le meilleur joueur de cette district. Voilà, on en reparle, c'est un peu vague les gars, mais on en reparlera. On Ouais. va lui commander une carte à Voilà. Arnaud Et par rapport à ça. on le fera au meilleur à celui qui d'entre vous ben voilà, on fera un petit jeu, on va faire ça à la rentrée, on fera un petit jeu pour vous la faire gagner. Et puis un autre truc, Damsou, franchement, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure. T'as récupéré David Beckham en personne. T'as récupéré un maillot de David Beckham quand il était à Manchester Ben United, écoute, collector. comme tu sais, moi, enfin, comme tu sais très bien, moi j'ai croisé bêtement chez Tati à Londres. J'étais chez Tati avec ma femme parce que bon, vous savez très bien que Londres c'est pas très loin du nord. Donc on a été faire les magasins à Londres. Qui c'est que je vois con, putain, Victoria, con. Victoria, j'ai dit putain, mais il n'y aurait pas David. Qui c'est que je vois à la caisse, David, con? Avec ses Santiago là. Bon, je dis putain, David, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit ouais, je dis, t'aurais pas un petit maillot? Il me sort un maillot, mon pauvre, de Manchester à l'époque. J'ai regardé sur le bon coin, ça vaut 400 balles. Bon, j'ai dit non, je le garde pour la district. Et du coup, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un maillot carrément qui. C'était la fois, je sais pas si vous avez vu, c'était un match face à Liverpool où il fait ce fameux tacle, ce fameux tacle le long de la ligne où il prend
prend. Oui, il salit son maillot, il a jamais lavé ce maillot. Et il m'a dit, écoute, Dams, c'est pour toi, cadeau. Si c'est pour la district, avec l'accent, voilà. Si c'est pour la district, cadeau. Victoria, elle était enchantée. Elle m'a dit, écoute, Dams, c'est pour la district, Guillaume, Pierre Magnan, Cabidi. Et ils m'ont jeté le maillot, ils m'ont dit, cadeau. C'est un maillot que j'ai gardé depuis et je le ressortirai. Et ça sera un cadeau pour sûrement le meilleur buteur ou le meilleur joueur aussi, on verra, on discutera, ou le meilleur milieu, voilà, on en discutera avec Guigui, et ça sera cadeau, les gars, ça sera pour vous. Allô, allô. Attends, plus rien. Allô, Guigui. Attends, plus. Allô, Guigui. T'entends plus, j'ai plus de retour, les gars. Ouais. Allô. Ouais, je suis là. Ouais, si, Guigui, je t'entends. D'accord, je vais te le dire. Attends, je vais être sur le YouTube là. Écoute, on va changer de micro. J'ai perdu le micro et là, normalement, ça devrait, on devrait m'entendre. Voilà, c'est bon, on m'a retrouvé. Désolé, les gars, petite coupure de technique. Ça peut arriver. Ça, c'est le district aussi, mais on a parlé de Londres, on a parlé de David Beckham, mais il y a tout l'appareil qui a foutu le camp, là, mon Damso. Ouais, en tout cas, allez, c'est pas grave, on va faire avec. Allez, je vous fais de suite les compositions, les dernières compositions, et on va commencer parce qu'on voulait commencer à 9h. Avec Carbo, donc dans les buts, avec Youssef El Hassani et Simon Magnan en défense centrale, Flo Vero et Elias Magnan sur les côtés. C'est une défense qui ressemble à s'y méprendre à la défense de l'ONG, donc attention à la défense de Paris, avec Kevin Olilo, Osama Adach en milieu récupérateur, Rafandis avec Pierre Magnan, Benoît Peixoto, Vira et Vévec. Hey, c'est une belle équipe, cette équipe de Paris, avec des joueurs de tous horizons. C'est pour ça que cette équipe de Paris United, c'est pas le PSG, hein. Vraiment, c'est assez mix, ça vient un peu de partout en France, et c'est une belle équipe. Et du côté de Carcassonne, c'est l'équipe de Carcassonne type, avec Salim Kevin qu'on salue, Marouane Younes, Sirac, Lofty, Diaby, Geoffrey, Bilal, Raymond et Hugo. C'est une belle équipe de Carcassonne qui, pour le moment aussi, a mis des difficultés un peu à tout le monde. C'est pas difficile, c'est pas facile de les jouer d'Amsou Carcassonne. Ouais, c'est pas facile et voilà, ils ont comme consigne de gérer le cas, de gérer les deux attaquants qui sont Vévec et Benoît Peixoto. Donc Vévec qui est très très physique, athlétique, et Benoît qui est vraiment très très technique, qui va jouer en faux numéro 9 un peu comme Karim Benzema. Et voilà, donc c'est deux joueurs complémentaires, et je sais que la consigne du côté de Carcassonne, c'est de serrer ces deux joueurs-là et de pas laisser Raph s'exprimer aussi, parce que Raph qui revient un peu sur le milieu, et voilà, de pas le laisser s'exprimer, et surtout de pas laisser Pierre Magnan prendre de la vitesse. Bon allez les gars, il est 9h, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va passer de suite à la première mi-temps, mon Damso. Est-ce que t'es prêt, est-ce que vous êtes tous prêts, les gars? Alors, on est toujours prêts, on a l'attestation, on est au chaud, on a la petite noisette, on est toujours prêts, Guigui. Allez, c'est la première mi-temps, ça va commencer. Moi ce que je vous propose, les gars, c'est de commencer par Marseille et le kebab, parce que je pense que l'entrée du Vélodrome, c'est quand même la plus belle entrée qu'il peut y avoir en district, hein, mon Damso. Ah bah, à qui tu le dis? Allez les gars, vous connaissez un petit peu le principe, il y a un match central, il y a les matchs sur le côté. Si vous voulez vous concentrer sur un match sur le côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous on va se focaliser sur les actions un petit peu du direct. Donc voilà, généralement les matchs sont dans un certain ordre. Il y a les classements et l'évolution du classement au fur et à mesure. Et on écoute l'entrée du Vélodrome. Ah, on est chaud, Magie, le brassard de capitaine, mon Damso. Ça, franchement, on l'a tous rêvé. Et vous y êtes, il n'y a qu'en district qu'on voit ça. Les Parisiens ne peuvent pas être sensibles à cette arme.
En tout cas, les gars, j'espère que vous allez kiffer. Vous nous dites si vous avez des problèmes de son, parce que je sais qu'au Vélodrome, il y a tellement de bruit que des fois, on ne nous entend pas forcément. Vous n'hésitez pas à nous dire s'il y a un souci. On compte sur vous, les gars, parce qu'on n'a pas de retour sur le son. En tout cas, voilà la composition du côté de Marseille avec ce 4-3-3, avec surtout les frères Cormel au milieu de terrain, Sofiane Elbissan sur 6. Machid et Thomas en défense, surtout Didou en attaque avec Fredo et Jean-Louis sur les côtés. Du côté d'Elkev, on va passer en 3-5-2. Surtout, ce sera Medinho qui va mener le jeu avec Abdel et Mehdi sur les côtés. Il y aura Atid et Ayoub en attaque. Et puis la défense rapide Driss et Machid. Voilà, voilà en tout cas du côté du Vélodrome. Quand il y a un but, vous connaissez la musique. Voilà, vous l'entendrez, on ira sur le terrain où il se passe quelque chose. Mais puis en fonction des enjeux, on évoluera. Mais on va commencer par Marseille. Avec Didou qui va donner le coup. Enfin, bon match qu'on a avec Thomas Delpozo. Thomas Delpozo qui va donner sur Serge Mansouri. Serge Mansouri là qui va donner sur à nouveau sur Serge avec Campbell. Campbell pour Fredo Raja. Fredo Raja qui va donner sur Serge Mansouri. Allez, Serge Mansouri qui va remettre sur Charlie Campbell. Bien joué ça pour Fredo Raja. C'était rapide. Ah, il est hors jeu Fredo. Ah, il n'y a pas hors jeu de grand chose à mon avis. Ouais, c'est après il y a eu un bon alignement de la défense, on l'a vu sur monter, c'est la consigne aussi du côté du coach du Kebab, c'est ne pas laisser il y a but à Paris Marne-la-Vallée au stade Jean-Bouin et c'est Benali qui ouvre le score. C'est Vévec. Ah là, c'est Benali mon âme sous, c'est Benali pour Saint-Cyprien. Il ressemble à Vévec, il se ressemble. En tout cas, ça permet à Saint-Cyprien d'être largement en tête et de faire le carton plein. Et d'entrée de jeu, le pauvre, le PMV c'est pas du tout leur district, mon âme sous, qui avait fait demi-finale la dernière fois. Ils sont encore cueillis à froid, mon âme sous. Ouais, ils sont cueillis à froid et j'attends de voir l'action, mais ça a été vite, au bout de 5 minutes de jeu, ça a été hyper vite. Ouais, c'est pas Tibieta qui va la donner, voilà, pour Benali. Et le petit pied gauche extérieur, mon Damsou, là. Ça, les gestes d'attaquant comme ça, tu t'apprécies. Hein. Ah, moi j'adore, et on voit que le défenseur est passif et l'attaquant est. Attendez, il y a beaucoup de fois, Marseille. Oh, le but de Westambert. J'ai vu qu'il y avait un coup franc et j'ai même pas le temps de voir quel était au bout des filets pour là-dessus. Oh là là, ça va trop vite. Ouais, c'est quand même la fin qui a. Ah, il avait un coup franc pour là-dessus. Il y a une faute sur Didou, on me dit. C'était une faute sur Didou à l'origine. Et à l'entrée sur le rond, magnifique. Magnifique, le gardien d'El Kebab, mon âme sous. Elle est sous la barre, tout simplement. Elle est imparable. Et on a parlé, c'est un coup franc à la David Guetta. Et bien justement, on en parlait David Guetta, mais voilà, Max Comben, s'il nous regarde, si jamais Max Comben nous envoie un message pendant ce live, il gagne le maillot de David Guetta, mon homme. Avec grand plaisir. En tout cas, ça fait 1-0 du côté de Marseille. Allez, on va repartir sur. On les a pas vus depuis le début, les joueurs de Mirepoix. Allez, on a pas vu Mirepoix depuis le début. C'est Kané qui domine. On cherche Didou, mais attention avec Tabu et les supporters de Loussab qui ont fait le déplacement avec Tabu, attention. Tabu qui va attendre le soutien de Mahon, attention Mahon. Mahon qui va pour centrer, il va le trouver, voilà, la bonne récupération, non c'est encore récupéré Mahon qui va donner pour Tabu et c'est Razi qui va sauver la défense, attention avec Willock. Attention c'est Kané au début du match qui met la pression sur Mirepoix. Ouais, qui va donner sur Mahon, attention, et qui va remettre sur Yuan Bai. Et bah, il va te donner sur ta vue encore une fois. Ah, il conserve bien le ballon, c'est compliqué depuis le début. C'est Machid qui intervient bien. Avec Damien Medjadi, on pourra récupérer. Avec Ayoub, pourquoi pas là. Ah, il est fait hors jeu là. Par contre, Adrien, il n'est pas hors jeu, dit monsieur l'arbitre. Il est pas hors jeu, monsieur l'arbitre. Attention, le gardien qui met un petit peu l'avantage. Didou. C'est Didou, mon ami. Oh, magnifique, il a réussi à marquer son but. Ça y est, là il est parti. Là, Didou, je le connais, il est parti. C'est mérité, oh, il se l'a arraché, il se l'a mis tout seul. Et c'est contre le cours du jeu, mon Damsou. La GM encore une fois qui prouve son efficacité et qui va ouvrir le score contre Kané. Plus important. Il est à la limite, il s'est aligné au défenseur, il a fait le bon appel. Ayoub qui a mis un bon ballon, Guigui. Un très bon ballon d'Ayoub. Et en tout cas, merci les gars. Il y a un taclant, c'est magnifique. Ah, ouais, magnifique. Qui fait mal. Magnifique, vraiment. Ah, et le but de Didou. Ah, le défenseur et le gardien qui se télescope et ça donne l'opportunité à Didou de pouvoir frapper derrière. Ah, magnifique, mon Damsou, vraiment. Ah, magnifique, rien à dire, magnifique. Et je peux vous dire que ça va lui faire du bien au moral à ce garçon parce qu'il en avait besoin ces derniers temps. Et voilà, la confiance qui revient pour Didou, qui vient à 3 buts, qui va rentrer dans le classement des 7-8 buteurs là.
Il va enfin rentrer dans ce classement qui est assez mérité. On va revenir sur Paris, on les a pas vu, Paris Carcassonne. Et grosse surprise, mon dame, depuis le début. C'est Carcassonne qui domine. Les Parisiens qui sont en difficulté un petit peu. Carcassonne qui essaie d'arracher l'attention avec Hugo. La part d'Hugo et l'arrêt d'Arnaud Carbo. Arnaud Carbo qui a été mis à contribution depuis le début. Surprise un petit peu, les Parisiens qui ont du mal là, au parc. Ouais, qui ont du mal et je l'ai dit avant le match, attention, c'est beaucoup de Carcassonne qui va avoir peur aussi d'approcher quelque chose parce qu'ils peuvent approcher quelque chose et voilà, il va pas jouer le duo Vévec avec Chebo. On revient, attention avec Medibois, attention du côté de l'équipe, attention, et à la défense centrale qui est plutôt pas mal avec Abdel. Abdel qui va frapper la balle d'Abdel, oh attention. Allez, Kebab qui pousse, allez, Kebab qui pousse, qui est à la carte d'énergie. Et attention parce qu'ils sont dangereux hein, les joueurs d'équipe. En tout cas il y a corner, ça donne un bon corner hein, pour Zaid. Faut s'appliquer, il y a des bons joueurs de tête, il y a Hafid du côté Yadris, attention avec Ayoub aussi, bah, c'est Magine encore qui récupère très long. Et Midi Bois qui va jeter pour récupérer. Allez, c'est toujours Hafid. Hafid qui va donner sur Zaid face à Magine. Ouais, Magide encore une fois, impeccable, Magide il est partout, tellement... il est sur tous les matchs, il est sur tous les matchs, Magide, il est énorme. C'est Magide ou c'est Magini? Avec Thomas Delposo, regardez comment c'est bien joué, qui va pouvoir remettre sur Geoffrey. Ah, allez, Geoffrey qui va pouvoir relancer sur Jean-Louis Dragon. Allez, Jean-Louis Dragon, là pour apporter un petit peu côté Marseillais. Et avec Didou, attention, allez, Didou qui va remettre, c'est bien joué, Didou. Ouais, c'est dommage, il va remettre à gauche, je pense. Il va les presser, Ah, il va presser Didou, il a faim, il a envie de manger un petit peu, il a envie de goûter au but. Didou, en tout cas là il commence à retrouver la confiance, il pèse, et attention, il y a but pour Damsou, but à Paris, c'est Pierre Magnan pour Damsou, c'est encore Pierre Magnan, toujours Pierre Magnan, allez, c'était sur un contre, et les Parisiens qui sont efficaces alors que c'était compliqué pour eux depuis le début, et Pierrot qui ouvre le score mon Damsou. Ah, la petite musique au parc. Frère, mon Damsou, on t'entend pas super fort. Attends, je vais essayer de te régler, mon Damsou. Apparemment, on t'entend pas trop bien. Et il y a encore un but, les gars, ça n'arrête pas. Allez, c'est où que ça a marqué, les gars, on va revenir. Mais apparemment, il y a un but à Marseille, mon Damsou. Il y a un but à Marseille, je crois que c'est Didou, on va revenir. Mais Didou, je crois qu'il a planté. On n'a même pas le temps de commenter les buts. Ah, magnifique la passe. En profondeur magnifique, et Pierre Magnan quand il est sur le pied gauche, l'histoire elle est La frappe pied gauche de Pierre Magnan qui revient encore sur Maxou. Est-ce que vous revient sur Maxou, mieux, les gars? Normalement, j'ai fait en sorte qu'on t'entende mieux, mon Damsou. Je l'ai mis à fond, j'ai essayé de baisser un petit peu le son du match. C'est vrai qu'il y a de l'ambiance. Et voilà Didou, je confirme, c'est Didou qui a marqué, mon Damsou. Le deuxième but de Didou cette soirée. Et ça, non, mais là c'est important parce que du coup, Marseille passe devant le kebab. Ça y est, et pour le moment, c'est la qualif. Didou, quelle soirée pour Didou ce soir, et en plus au stade, je sais que ça lui faisait plaisir et ça lui tenait à cœur de marquer dans ce stade Vélodrome. Ah voilà, toute sa famille. Et c'est Fredo qui a régalé, qui s'est abusé, la belle passe, regardez Didou, et encore un but. Et on va revoir le but de Didou. Oh la frappe, oh, la frappe de Didou. Magnifique Didou. Allez, on va revoir et après on va voir. Oh, et regardez là, le travail. Oh, l'enchaînement de Fredo Raja, magnifique. Allez, Fredo qui s'amuse. Et regardez, Didou qui va prendre le meilleur sur Magide. Et il est en confiance. Là, on sent qu'il est en confiance maintenant, Didou. Commence à enchaîner les buts. Et sur une passe de Fredo Raja. Vas-y, mon Didou. Tout comme. Allez, attention, et voilà le but. Égalisation. Égalisation. Saint-Cyprien qui se fait égaliser par le PMV. Ça n'a pas trop d'incidence au classement, mais c'est bien pour l'équipe du PMV. Qui s'est créé 2-3 occasions franches et qui va sur ce beau centre magnifique de Steve Olilo. C'est Thomas Vidali qui va couper au premier poteau. Il reste entre fort là de Olilo. Ah, entre fort, tendu, et c'est toujours compliqué pour les défenseurs d'intervenir et même pour le gardien. Et il vient de très loin, Thomas, il vient de très loin. Il coupe au premier, c'est magnifique. En tout cas, ça fait un partout entre Paris, Marne-la-Vallée et Saint-Cyprien. On va revenir sur le match de l'OM parce que l'OM pousse pour essayer d'avoir un troisième but. Attention, c'est récupéré par Bilel. Allez, ça peut aller vite dans ce match avec Adil. Adil qui va donner sur Ayoub. Allez, Ayoub qui sur Zaïd. On va pas prendre un but assez rapidement parce que là, ça, c'est pas pareil après. Allez, Medinho qui va donner sur Zaïd. Avec Abdel. Bon, la qualité technique à chaque fois d'El Kebab, ça c'est à noter parce que c'est toujours des passes précises. Ah, il brasse avec Bilal à nouveau, c'est bien, il conserve le ballon, là, le joueur de Kebab, et la défense de Delposo, Magine ou Gaïda, regardez à quelle vitesse ça va, il est parti, et regardez, Didou. On te passe, on fait déjà avec Didou, pourquoi pas pour le doubler, il va y aller, Didou, la sortie, quelle occasion, attention avec Jean-Louis Dragon, Jean-Louis Dragon qui va faire un petit crochet, est-ce qu'il va pouvoir Jean-Louis Dragon centrer, il faut centrer Jean-Louis, Jean-Louis, attention, c'est quand même récupéré par Charlie.
Charlie Campbell qui va donner sur Jean-Louis. C'est magnifique. Ah, ça va être magique. Récupérer. Attention, on a du mal à se dégager. Il y a le feu là à côté marseillais. Avec Jean-Louis, le centre de Jean-Louis. Attention pour la tête de Charlie. Oh, l'occasion. On est pendant du 3-0. Charlie Campbell qui était pas loin. Avant la mi-temps. Ah, c'est compliqué pour El Kebab. Voilà. Et le pressing de Jean-Louis Dragon, mon Amsou. Le pressing et le bon centre. Qui fait un très très gros pressing, qui joue très très haut, qui pose des gros problèmes à cette équipe d'El Kebab. C'était la consigne. La consigne, c'était de ne pas laisser jouer cette équipe d'El Kebab. Et pour l'instant, c'est réussi du côté de l'OM. En tout cas, ça fait. Allez, Mirepoix qui mène 1-0 à Cannes. Ça aussi, c'est important. Là, j'ai Mirepoix contre Tirou. L'OM qui mène 2-0. Attention, on a des problèmes. On essaie de revenir sur le match de Paris United. De Marseille et El Kebab. On a du mal. Hein. C'est la district, les gars. On n'oublie pas. On essaie de revenir sur Marseille. Il y a une occasion pour les Marseillais. On n'arrive pas à venir sur le stade. On est perdu, les gars. Ça va tellement vite que la technique suit pas, mon âme. On n'oublie pas que c'est le district. En tout cas. En tout cas, les gars, ça fait. Ça fait merde, ça fait 2-0 en tout cas pour l'Olympique de Marseille. Non. On arrive toujours à retomber sur nos pattes et donc ça c'est important. Allez, les scores à la mi-temps, j'en ai perdu ma voix. Heureusement qu'on live pas après demain. Parce que du coup, j'en perds ma voix. Il s'est passé plein de choses dans cette première mi-temps, mon Damsou. Allez, on vous fait vite fait le récapitulatif. Je dirais Patrick Bruel, Guigui, que c'est la voix. Que c'est la voix. En tout cas, voilà. Cassez la voix! Bon, bref, en tout cas, la Jimir Poix qui mène un 0. J'ai envie de regarder les jouets qui pètent ce soir. Ok, attention à sacré Patrick. On essaiera d'avoir Patrick, un de ces quatre. On essaiera de. On essaiera de. C'est pas les cartes qui comptent, c'est. Bon, bref. Sacré Patrick, ouais, c'est ça. Très grand amateur de foot, cela dit, de l'équipe de France. On lui fait un gros bisou à Patrick. Et d'accord, supporter du PSG aussi. du coup, en tout cas, on essaiera d'avoir Patrick Bruel, un de ces quatre, pour les tirages au sort de la district. Et les gars, je vous propose pour les tirages au sort de la district, on aura en exclusivité Patrick Bruel, les gars. Voilà, c'est fait, c'est dit. Il aime bien plus tout ça, Patrick. Ah, j'adore ça. Je mets tout. Bon, en tout cas, les gars, voilà, les scores à la mi-temps. Là, j'ai mis Mirepoix contre Tirou. Mon Damso qui mène 1-0 contre Cagné. On n'a pas vu trop d'images parce qu'il se passe pas. C'est assez serré. Cagné qui pousse, mais qui n'a pas d'occasion réellement franche. Et là, j'ai Mirepoix qui est sur une occasion quasiment, qui marque le but grâce à Didou. Avec une sortie un peu hasardeuse du gardien, mon Damso. Ça, on le reverra de toute façon. On verra ça. Ouais. Damso, enfin voilà, si tu veux dire un petit mot. Après, on verra bien sûr les meilleurs moments du match. Ouais, sur cette action, après, un très bon alignement d'Adrien Clavigui parce qu'il était hors jeu au départ. Et voilà, il a reculé, il a fait un petit appel contre appel. Et à noter aussi Ayoub Zouri qui a vraiment fait le tacle qu'il faut parce qu'autrement, la balle est sortie et ça ne fait pas décisif derrière. Et Adrien, ouais, qui a été se chercher le but tout seul comme un grand et le défenseur qui s'était scopé avec le gardien. Et là, à ce niveau-là, quand vous laissez la cage vide à Adrien Kabidi, c'est compliqué. Et juste, il y a Plovero, juste là, je suis en train de voir les chats, c'est vrai que c'est un peu compliqué pendant 10 minutes de regarder et de jeter un dé sur le chat. Mais Plovero qui dit Didou, il a mangé combien de paillettes, mon homme. Mais écoute, s'il mange 2-3 paillettes, il va finir vraiment sumo, hein, Didou, parce que paillettes, on sait très bien qu'il est très très gosto à ce moment. Donc voilà, vaut mieux manger kebab que paillettes hein, en ce moment. Hein. Non, mais après, ouais, non, Didou, il a, depuis le début de la district, on peut pas lui reprocher, il est très très fort. Il a juste pas cette réussite qui lui fait défaut depuis ce début de compète. Et là, ce soir, je suis content qu'il mette. Qui mettent vraiment un but avec l'OM et un but avec la Gikuntiru parce qu'ils le méritent. En tout cas, il est écoutez, efficace. Écoutez, on essaye d'imiter, après on fait ce qu'on peut, les gars. C'est pour, on fait ça surtout avec plaisir et ça, c'est important. Ah ouais. Il est capable de les mettre. On va en avancer quand même, un petit mot sur Didou. Écoutez, j'ai envie de dire, Guigui, qu'Adrien Kabidi, c'est quelqu'un que j'adore personnellement. Il n'est pas que bon qu'à faire des grillades. Je vais vous dire, à l'époque, Maradona, qui j'ai connu très bien, paix à son âme, il m'avait dit, il y a un joueur de La Réunion qui va signer à la Jicoutirou et à l'OM. C'est un crack, ce garçon. Il est capable de la mettre. Et ce soir, on a vu qui l'a bien mise au fond. Il y a Plomero qui dit on s'est passé le père Poisson au bord de mon sac. Mon premier.
mon premier plus précieux que l'argent. Bon, en tout cas, les gars, on essaiera d'avoir le père. C'est un mélange des deux, c'est un mélange des deux, les gars. Mais il faut savoir que c'est Awarda Fonseca qui fait le père Fouras aussi. Sur France 2, exactement, les gars. Vous regarderez bien, vous verrez que c'est bien Awarda Fonseca qui fait le père Fouras. Vous verrez bien. En tout cas, on essaiera d'avoir le père Fouras, mon gars, pour une énigme ou deux. On sait jamais si on fait une district façon Fort Boyard. Possible qu'on fasse tout pour la consolante. Avec grand plaisir, une énigme pour peut-être gagner un maillot, avec grand plaisir. Et pourquoi pas, exactement, les gars. Ça dit quoi, c'est une super idée, mon Amsou. On fera ça pour l'énigme. On la fera gagner par le père Fouras en personne, les gars. En tout cas. Voilà, bon, en tout cas, les gars, allez, très simplement, on va vite repasser à la deuxième mi-temps. Paris-Main de la Vallée, ça s'y prend un partout. C'est un très beau match. C'est peut-être le match où il y a le moins d'enjeux et pourtant, c'est peut-être le plus beau match de la soirée. On verra le résumé après, bien sûr. Marseille et Kebab, 2-0 pour Marseille. Là, c'est le feu. Mais attention, les Kebab, parce qu'il y a quand même des occasions. Et regardez le classement, il y a un but d'écart, on va dire. Si le Kebab revient 2-1, il y a égalité parfaite entre Marseille et le Kebab. Et à partir de là, on sera dans la merde parce qu'il faudra qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. Et enfin, Paris United qui est dominé, mais qui mène 1-0 contre Carcassonne. Donc on verra ce que ça donne aussi en deuxième mi-temps. Carcassonne qui n'a pas abdiqué, qui n'a pas lâché les armes, même s'ils ont pris un but avant la mi-temps. Et on sait que c'est très compliqué de prendre un but avant la mi-temps. C'est peut-être le plus mauvais moment, mon Damsou, pour prendre un but. Hein. Ouais, ils ont pris un but contre le cours du jeu. Et voilà, il me semble que c'est Pierre Magnan. Ouais, mais Pierre Magnan avec... non, c'est ça, oui. Ouais, Pierre Magnan qui a marqué. C'est Pierre Magnan qui a marqué pour Paris. C'est Pierre Magnan qui a marqué et voilà, contre le cours du jeu. Mais voilà, on lui a laissé de l'espace. Et un peu comme un Messi, il est rentré sur son pied gauche et il a frappé. Et voilà, c'est des joueurs, il ne faut pas leur laisser trop d'opportunités. C'est dommage pour Carcassonne car ils ont fait une grosse entame de jeu. Ils posent des problèmes et ils servent bien le duo Vévec Pecchiotto-Vira. Et voilà, mais je pense que les consignes vont être de continuer et ça risque de payer en deuxième période du côté de Carcassonne. Allez, on verra bien en tout cas comment ça donne. Ce que je vous propose, les gars, c'est parti, la deuxième mi-temps. Il y a tout qui va reprendre. On va reprendre à Canet face à Mirepoix et tout le monde, les matchs qui reprennent les uns après les autres. On va commencer par Canet à Mirepoix parce qu'il y a de l'attention un petit peu dans ce match. Canet qui domine. Pour le moment, c'est Mirepoix qui a fait la diff. Il faut que Canet marque deux buts. Il domine les joueurs canets. Et attention, il y a déjà une occasion d'entrée de jeu, mon Amsou. El Kebab qui met de suite la pression sur les Marseillais. Regardez la bonne relance de Zaïd pour Ayoub. Et Ayoub qui prend le meilleur sur Magine. Et attention à cette occasion. C'était bien joué. Dommage, Ayoub. Il est capable du pied gauche aussi de faire mal. Dommage. Attention du côté de l'OM parce que s'il marque un but, El Kebab, ça peut tout changer. En tout cas, la pression de suite qui est mise par les joueurs marocains avec Hafid, Hafid qui va donner sur Medinho. Ouais, regardez Medinho, regardez comment il renverse le jeu, mon Damsou. Avec Abdel Zouri, voilà pourquoi il joue numéro 10, le petit, avec Ayoub Zouri. Ayoub qui va remettre sur Abdel Zouri. Ouais, il va falloir s'appliquer là. Abdel qui va revenir dans l'axe. Il va essayer de la donner pied gauche, pourquoi pas. Il l'a mis sur les deux, il l'a mis entre les deux, entre Adil et Ayoub. Il n'y en a aucun des deux qui a récupéré ce ballon. Attention avec Medinho. Bon, attention, l'OM qui balance, c'est pas ce qu'ils nous ont montré en première mi-temps, attention. Avec Faïd, allez, la pression, qui est mis avec Abdel, ouais. Abdel Zouri, avec Medinho. Medinho pour Abdel. Attention, Abdel, c'est bien joué ça. Ah, Medinho, vraiment, c'est un des meilleurs joueurs de cette district. Allez, pourquoi pas Medinho. Et justement, Medinho, la frappe de Medinho. Oh là là, l'occasion. Oh, il a frappé une vitesse, mon Damsou. Et pourtant, il avait bien rejoué sur Abdel. Oh, qu'est-ce que ça va vite. Regardez, et Maski va pas jeter. Ça va vite parce qu'il a à peine le temps de faire un geste, Sofiane. Que déjà, et attention, il y a un beau corner, il y a une belle occasion pour les Mirapiciens qui finalement démarre mieux cette deuxième mi-temps. Et la frappe de Damien Belchazi, elle est contrée par un joueur de Canet. Alors que du côté de Canet, on disait que c'est Didou qui a touché ce ballon meilleur à corner. Et attention, parce que David Lafont, il tire plutôt bien les coups de pied arrêtés depuis le début de la compétition. Avec Abid, mon Amsou, ça fait 2-0. Et voilà, là, j'ai connu mon Amsou. Quelle soirée pour la Mirepoix. Oh là, l'efficacité terrible. Oh, ils sont efficaces. Et puis le gardien malheureusement de Canet qui a toujours pas touché un ballon. Et il y a but, voilà, ça va partir, ça repart comme on a commencé en première mi-temps. Et oh, c'est il y a des buts de tous les côtés. On va commencer par un. Je pense qu'on va commencer par El Kebab qui a réduit le score, mon Amsou. Le but Ayoub. But Ayoub à Marseille. Attention, on a parlé juste avant. Attention, et regardez, du côté de l'OM, on a parlé juste avant, Guigui. Marseille et El Kebab sont égalité ce soir, mon Damsou. Ayoub, il n'y en faut pas beaucoup. C'est un garçon qui est très très intelligent, on l'a vu. Ah, c'est bien joué avec Adil. Et Midi qui va redonner sur Adil. Et Adil qui va la mettre fort devant le but. Et c'est Ayoub. Magid, il se fait dépasser. Regardez, tac. Il va passer devant. Et là, il passe devant. Et il fait le tour de Magid. Ah, il fait le tour de Magid. Et là, c'est pied gauche. Ah, Magid, là, il a pas le droit de.
de voir ça. Et puis derrière, allez, c'est le PMV. C'est le PMV qui marque le deuxième but de sa but contre son camp Enzo. Un des meilleurs joueurs de cette équipe Saint-Cyprien qui marque contre son camp sur le coup de pied arrêté. Il est en pleurs, Enzo, là, on le voit. Allez, voilà, il va sauter peut-être plus haut que tout le monde, mais le coup franc étant bien tiré vers le but. Ça, c'est le. Il n'y a pas plus dangereux, mon âme, sur ces coups francs qui sont tirés comme ça. Il n'y a pas plus dangereux, c'est tendu, c'est. Voilà, et le défenseur doit intervenir, mais il faut intervenir au bon endroit. Et là, forcément, ça va un peu vite, et le gardien. Et regarde, mon âme, un but contre Saint-Cyprien ou un but dans la Gémirepoix. Et la Gémirepoix qui peut repasser devant Saint-Cyprien. Ça joue pour la première place maintenant, mon âme. Saint-Cyprien qui est en difficulté, et la Gémirepoix contre Tirou qui pourrait accrocher la première place, surtout qu'il commence à dominer un petit peu plus là les Miraficiens. Et il y a encore un but dans cette égalisation. Oh, ça s'y prend, qui égalise de suite, c'est Maxime Fouché qui marque son premier but de la soirée. Maxou, ça y est, c'est son 14e but. Il avait ça faisait presque deux semaines qu'il n'avait pas marqué Maxou, et qui va enfin marquer la soirée de Maxou, et du coup qui va reprendre les distances avec Pierre Magnan, mon dame Sou. Allez, Maxime, c'était compliqué pour lui depuis quelques jours. Et l'efficacité retrouvée, mais sur une belle combinaison, c'est Ben Ali qui va donner encore sur Patrick Sibeta, la deuxième passe de Patrick. Magnifique. Et puis forcément la défense centrale qui déconne un peu pour ça moi. Ça joue au ballon aussi, Guigui Saint-Cyprien. Ça joue au ballon. Si vous laissez un peu d'espace comme ça, regardez la défense centrale. Ils sont trop longs, on a les deux défenseurs centraux. Sur le contrôle déjà, Maxou, il a tout l'espace de tirer. Ça, c'est mal joué, c'est pour ça aussi cette équipe du PMV a des difficultés en ce moment. C'est des erreurs défensives. Maxou, il a très bien vu que le défenseur était loin. Il sait qu'en poussant la balle, il le met encore plus loin. Et derrière, la frappe. À cet endroit-là du terrain, c'est sûr que c'est but avec Maxime Fouché. Maxou qui reprend la confiance, attention parce qu'il y a un pouce. El Kebab, attention, en cas de but d'El Kebab, c'est El Kebab qui repasse devant Marseille. Ça commence à être tendu, attention. Attention, l'occasion. Attention parce que ça pousse aussi du côté de Canet qui a failli marquer à deux reprises. Et Alain Serdin qui s'est imposé à deux reprises. Et attention, il y a un contre avec Sofiane Elbizis. Pourquoi pas aller marquer ce troisième but avec François Gay. Ah, le contrôle de François Gay qui est un petit peu loin là. Attention, il est un petit peu enfermé, François Gay. Il va falloir qu'il revienne, il va quand même essayer de centrer pour. La tête d'Ayoub, mais elle est un petit peu trop derrière cette tête d'Ayoub. Pourtant, il a un bon jeu de tête là, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, il aurait dû revenir derrière François Gay. C'est un peu compliqué. Thierry qui va dégager. Il y a des occasions, ça pousse là. Paris qui est dominé. Il y a un arrêt de Carbo. Attention, et puis de l'autre côté, Canet qui revient avec Stéphane Amanat qui vient d'entrer en jeu pour Canet pour essayer de réduire le score. Ça commence à sentir pas bon là pour les joueurs de Canet. Mirepoix qui est en train de créer l'exploit tout simplement avec Pagid là qui défend bien. Magie, il faut qu'il soit sur tous les fronts, que ce soit au Vélodrome ou ici à Braga, avec François Gay, avec Ayoub Zouri. Allez, pourquoi pas ce contre là avec François Gay. Attention, François Gay qui a quand même le contre, attention avec David Benchagi, il va le trouver. Il va trouver David Lafont pour le troisième but. Allez, David. Oh là là, l'occasion de David Lafont, mon Damsou. Oh, la belle passe de Damien. Oh, le contre, c'était la balle de match là, mon Damsou. C'est dommage, il a essayé de s'appliquer pour prendre David, c'est dommage, mais je pense que le temps. Le temps parle pour lui, c'est la fatigue qui parle, je pense. Ça aurait été à la 10e minute, peut-être que c'était Lucarne, mais là c'est la fatigue qui parle. Salut mon Fredo, je vois que Fredo il est venu salut Fredo. Salut mon Fredo. Attention, allez, ça partit avec Canet qui va essayer dans ces dernières minutes. Alors qu'il y a un problème à Marseille au Vélodrome, les gars, il y a un problème à Marseille, il y a la coupure d'électricité. Madame, il y a une coupure d'électricité à Marseille, au Vélodrome. On n'a pas payé la facture d'électricité, le confinement ça coûtait cher. Du coup, à 20h, le stade il est arrivé, là il est quoi, il est 21h30, il est arrivé, il a coupé les clés du stade, Madame, le match n'est pas terminé. Et on a égalité. Le stade qui est venu, vous avez tous connu ça, mon gars, le stade qui vient alors. D'habitude, c'est un coup d'intox quand l'équipe. Attention, l'occasion. Oh, imagine encore qu'il défend bien. Alors, tout vu en district, mon Damso. On pense avoir tout vu. Mais alors, le coup de la coupure d'électricité, mon Damso, là, il n'est pas encore vu ça. Là, c'est énorme. Et au Vélodrome, en plus. C'est pas n'importe où. C'est au Vélodrome direct. Ou Marseille. Ou Marseille, mène 2-1 ou 2-0. Mène 2-1. Ouais. Et mène 2-1. Aïe. Ils ont peut-être senti quelqu'un va revenir un peu en force. Et surtout, c'est sur un contre d'Ayoub Zouri. Il y a but, et c'est le Paris Marvelamané qui reprend l'avantage 3-2. Et bien, décidément, ils ont pas envie de quitter la compétition comme ça, mon Damsou. Et c'est Nico Rabet, son deuxième but de la compétition. Et c'est sur une superbe action. Nico Rabet. On va regarder Nico Rabet, il va nous manquer dans cette district. Il va peut-être jouer avec l'équipe de Meaux. Mais quelle action encore une fois. Et regardez, il est tout seul. La défense centrale, elle est partie un petit peu au vent. Et encore un but. Il y a but à Paris, mon Damsou. Et on va aller au stade au Parc des Princes. On va voir ce but de Nico Rabet. Et après, on va voir le but du Paris United. C'est sur un contre. Ils ont contré l'équipe de Carcassonne qui poussait pour aller chercher l'égalisation. Et un contre, c'est à partir d'une relance d'Elias.
avec Ali Hamza qui donne sur Ayoub Ritter qui est entré à la place de Vévec. Et le but derrière de Kala qui marque son premier but dans cette compétition. Et on verra sur les résumés la façon de ce but. On verra tous les gars, il y a les résumés après. Vous aurez le temps de voir les meilleures actions de chaque match. Allez, ça dure à peu près 6-7 minutes par résumé. Et on va repartir. Donc, mon dame, ça sent bon pour le coup de Tirou. Ces dernières minutes, là, maintenant, on en profite. On sent que c'est bon, là. Qui a retrouvé le courant. Et même car on a Zekrimo qui est parti chercher les clés du stade et qui a pu remettre l'électricité. Attention, avec Anne, il va falloir tenir. Ça serait bien de finir sur un clean sheet. Ça serait bien de finir sur un clean sheet. Attention avec Declos. Oh, regardez Majid. Ah, le deux petits coups d'épaule, c'est propre. Majid s'est bien défendu à deux. Et c'est Rafid. Il a fait un match énorme, Rafid Zouri. Récompense d'un but. Avec François Gaillet, le troisième but. Pourquoi pas? Avec Jeffrey. Jeffrey qui va donner sur François Gaillet. Pourquoi pas pour le troisième but? Ah, l'arbitre qui siffle. L'arbitre qui siffle. La Gémir Franco Tirou, mon dame Sou, qui sera en huitième de finale de la district. Ça, c'est beau, ça, par contre, mon dame Sou. Ah, c'est magnifique et je suis content. Voilà, tu sais que le cœur y est pour cette équipe. Voilà, qu'on a connu dans notre enfance et ça fait plaisir et vraiment une très grosse perf du côté de la Jimir Poitou qui n'a pas démérité sa qualif. En tout cas, et Paris c'est fini, Paris qui s'impose 2-0 contre Carcassonne, Carcassonne qui aura des regrets aujourd'hui. Et puis attention, l'OM qui vient de subir une occasion, c'est le kebab qui pousse. Maintenant on comprend pourquoi il y a une coupure d'électricité au Vélodrome. On verra ça, on en reparlera après avec la relance, super Sergio Landagon. La transversale qui était magnifique pour Didou, on en a dit tout. Qui était pas loin de donner la victoire parce que pour le moment... Alors on vous parle, regardez le classement. D'avoir José qui pur marseillais qui s'occupe de l'électricité, il me semble, des luminaires là-bas, on essaiera de l'avoir. On essaiera de lui parler, on va l'avoir juste après mon dame Sou pour nous expliquer ce qui s'est passé avec cette coupure d'électricité. On verra le match, on va commencer le résumé par Wemi El Kebab, comme ça on pourra avoir les réactions de suite. Allez, pour le moment ça pousse, pour le moment l'égalité parfaite entre Marseille et Kebab. Je vous rappelle que c'était pas prévu dans la district qu'on départage les équipes sur la confrontation directe, ce qui fait que pour le moment, si ça finit comme ça et ça semble partir comme ça, je sais pas ce qu'on va faire, mon dame Sou. Va falloir appeler Rachid Metsoussa pour trouver une solution. Il y a but! Il y a but et l'égalisation! Maxou encore! Maxou qui marque son deuxième but! Oh, Maxou, 15 buts pour Maxou, ça y est! Il est intenable, ça y est, à partir du moment où il retrouve le chemin des filets, il est intenable ce garçon. Et ici, à Jean Boin, à Paris dans la vallée, décidément, qui aura pas sa victoire à chaque fois. Il tombe sur Maxou. Et il y a 3-3 avec les deux meilleurs gardiens, mon dame. Pourtant, il y a eu des arrêts magnifiques. On reverra le résumé. Il y a eu plein d'actions dans ce match. C'était un match total football. Avec des attaques plutôt priorisées sur les défenses. Et Maxou. Oh là là, l'enchaînement pied gauche comme ça, mon dame. Ça va trop vite, ça va trop vite. Si vous laissez un peu d'espace à Maxou. Regardez, il baisse la tête juste avant l'action, mais c'est incroyable. Ce ralenti, il baisse la tête, il est plus dans le coup et il relève juste la tête, il récupère la balle un peu comme Messi. Et les gars, on va avoir besoin de vous parce que là, il y a l'Olympique de Marseille qui va bien 2-1, ce qui fait que Marseille et Kebab sont égalité parfaite, les gars. Ils sont à égalité parfaite et il va falloir qu'on compte sur vous. On va voir ce qu'on va faire après parce que du coup, on est un petit peu embêté parce qu'on peut pas éliminer le Kebab puisqu'on n'avait pas prévu ça dans le règlement. Puisqu'on avait dit les cas de départage et ça en faisait pas partie, donc on va voir ce qu'on va faire. On va essayer de trouver des solutions, on va essayer d'avoir Achille Metsoussad pour savoir ce qu'on fait. Mais en tout cas, donc on sait pas encore qui de Marseille ou El Kebab à l'issue de cette soirée pour l'ombre est qualifié, mon dame Sou. Mais en tout cas, c'était un bon match entre Marseille et El Kebab qui a essayé de pousser et de revenir dans le match. Marseille qui a eu des occasions franches aussi. Allez, attention, allez, on va finir sur ce match, le dernier match qui reste. Et attention à cette occasion, allez, 3-3, pourquoi pas. Regardez Yves Renier qui veut partir pour aller marquer son but. Il va, attention, il y a le contre. L'arbitre qui va siffler une faute sur Yves, là, attention. Ah, sacré Yves. Ah, il a envie. L'arbitre est gentil avec Yves. Parce qu'il n'y a pas faute. Il n'y a absolument rien, mon gars. Il a joué à l'intox, c'est un peu comme moi le métal intox. Il perd la balle, il tombe et. Allez, attention. Allez, il reste quoi? Il reste 2-3 minutes. Allez, quitte Paris, est-ce qu'on va rester là sur le placement? Eh, si le PMV marque, il passerait troisième et ils accrocheraient une consonante, mon dame Sou. Il y a une place en consonante qui se joue sur cette occasion avec Maxime, avec Mathieu, avec Nico Rabet, avec Kevin Olilo, mon dame Sou. Le quatrième but pour le PMV, regarde le classement, mon dame Sou. C'est Kadé qui va se faire berner et la place en Europa League, j'allais dire. Et cette place en consonante qui va être allée chercher par le PMV, mon dame Sou. Oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Oh là là. Ça joue trop vite. Et le PMV qui va accrocher sa victoire dans la douleur. Mais ils vont le faire. Et ce qui montre que cette équipe, elle avait des qualités offensivement, mon dame Sou. Ouais, elle avait des qualités. Et encore une fois, quand on regarde l'action, c'est magnifique. Ça va trop vite.
Ça va trop vite. Quel match. Il y a eu un paquet de buts à ce match, c'est incroyable. À tes souhaits, Damsou, je crois qu'il y a quelqu'un qui est tarni chez toi. À ses souhaits, on va dire à ses souhaits. Allez, Benali, attention. C'est pas le Covid, hein. Là, juste la crème, les gars. Les gars, mettez vos masques. Mettez vos masques, les gars. Mettez vos masques. Attention, soyez prudents. En tout cas, il reste encore 2 minutes. Pourquoi pas? Ça peut encore arriver. Parce que, voilà, attention, la mauvaise passe. Ça a été rare dans ce match avec Nico Rabet. Pourquoi pas? Il marque un 5e but pour Linkin Park. Linkin Park, il va vite, mais pas assez vite. C'est dommage, Linkin Park. On peut marquer dans cette compétition, Linkin Park. Mais en tout cas, le PMV qui va aller chercher peut-être une consolante. Ça, par contre, ça peut faire plaisir. Mais attention, il va falloir tenir les dernières minutes. Attention avec Benali. Benali, faut la mettre en retrait. Oh, Yves. Yves, il a tout vu, mon Damsou. Ah, on a perdu mon Damsou. Allons, mon Damsou. Mais en tout cas, le PMV qui s'impose 4 à 3 face à Saint-Cyprien. Belle victoire du PMV qui va accrocher la troisième place dans les inespérés. Cette équipe qui a été dernière depuis le début de la compétition dans son groupe et qui finalement arrache la troisième place. Bravo, bravo PMV. Il y aura eu des buts dans ce groupe avec Saint-Cyprien qui aura marqué 10 buts. Et on va regarder tout simplement les résultats de la soirée avec donc Marseille et Kebab 2-1. Il y a une égalité parfaite entre Marseille et Kebab et là je vais avoir besoin de vous. Allô mon Damsou. Attendez, je vais regarder, je vais essayer de récupérer Damsou les gars. Bah, il doit être pas loin. Je vois qu'il est encore connecté. Il doit pas être loin. Il a dû. Il est là, mon Damsou. Allo, Guigui, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Putain. Ouais, j'ai un problème. Mon micro s'est déconnecté. Désolé, les gars. Bon, en tout cas, je disais, mon Damsou, que la victoire de Paris-Mal de la Vallée qui sauve l'honneur et qui va arracher sa victoire dans les dernières secondes. Ouais, fin de la dernière seconde et qui a pas démérité du tout parce que vraiment c'est mérité au vu du match et tant mieux pour eux, je suis content pour eux en tout cas. Bon, en tout cas, mon Damsou, écoute, cette soirée elle aurait été riche en émotions. Par contre, on a un problème. Alors, j'allais dire, je voulais demander à tous ceux qui étaient sur le chat, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, ce que j'allais demander. On fait quoi, les gars, entre Paris, entre Marseille et El Kebab? Parce que du coup, il y a une égalité parfaite. Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne sur le chat. Donc, du coup, je peux pas demander aux autres. Mon Damsou, on fait quoi? On fait quoi de Paris, de Marseille et El Kebab? Et en fait, il y avait trois possibilités. Soit on fait un match d'appui, pas ce soir, hein, de toute façon, hein, les gars, j'ai senti le truc. Soit on faisait un match d'appui, peut-être un peu plus tard, il n'y a plus personne. On est entre nous, mon Damsou. On est entre nous. Ce qui sera bien, mon avis. C'est sympa, on va boire un café. Vraiment, tranquille. Bon, ça va, sinon, Damsou, la soirée, ça va, tranquille. Ouais, bah, écoute, impeccable. On a mis le peignoir, là, au chaud, tranquille. Okay. La petite noisette, tranquille. Voilà. En tout cas, les gars, allez, ça revient un petit peu. Soit on fait un match d'appui, soit on fait une séance de tir au but. Pareil, ce sera pas ce soir, ça sera sûrement pour le tirage au sort. Ou sinon. La séance de tir au but, ça peut être pas mal. Ah, il y a la séance de tir au but. Moi, je serais plus sur une séance de tir au peut-être but. Après Rachid. Ouais, on va appeler Rachid, voir ce qu'il en passe. On va appeler Rachid, les gars, dites-nous. Alors moi, il y a Fredo qui veut un match d'appui. Dites-nous, les gars, vous êtes 3, c'est dommage que tout à l'heure on était 7. J'aurais dû demander tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait. Mais ça, c'est Guigui qui prévoit pas, tu vois. J'essaie d'envoyer un SMS, j'essaierai de faire un petit sondage si jamais dans le groupe, j'essaierai de voir un peu. Mais du coup, soit on fait un match d'appui, soit on fait une séance de tir au but. Franchement, je vois pas jouer ça au tirage au sort, un peu comme ça s'est passé à la CAN. C'est pas dans l'esprit du sport non plus, mon dame, souvent. Bah, allô. Décidément, mon Damsou. Bon, en tout cas, les gars, allez, ce que je t'entends, Guigui. Ouais, ouais. C'est bon, je t'entends, ouais. Ouais, donc du coup, ouais, soit un match d'appui, soit une séance de tir au but. Je vois pas jouer ça au tirage au sort comme ça s'est fait à la CAN. C'est pas trop l'esprit, on a quand même le temps de caler un match d'appui ou caler une séance de tir au but. Moi, je serais chaud sur la séance de tir au but. Moi, j'étais plus sur la séance moi de tir aussi, au but. Mais après, si c'est un match d'appui, avec grand plaisir. Ah, il y a Raph qui dit c'est mon séance de tir au but. Écoute, on va appeler Rachid, mon Damsou. On va l'appeler vite fait avant de commencer les résumés pour les 3 personnes qui restent. Mon Damsou. Et Rachid, allô Rachid. Oui, Guigui. Alors Rachid, bonsoir à vous. On a un cas. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça fait longtemps. Ça va très bien. On a besoin de vous, Rachid. Parce qu'on a une difficulté. Qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes? T'as merdé? Avec qui? Oh là, je l'appelle de suite. Non. Vas-y, pardon, je te laisse pas parler. Je t'écoute. Rachid, voilà, le truc c'est que vous avez prévu les départages des deux équipes, vous avez prévu le nombre de points, le nombre du goal average, le nombre de buts marqués
Et pas, c'est tout, vous n'avez pas été plus loin, vous n'avez pas parlé de confrontation directe. Du coup, on se retrouve avec une égalité parfaite entre Marseille et Kebab. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon... Qu'est-ce qu'on fait, mon Rachid? Qu'est-ce qu'on fait? Ben écoute, j'ai envie de te dire un truc. On le joue au macroude. Eh, c'est pas compliqué. Et on prend un joueur au hasard, on lui fait faire des macroudes. Celui qui fait le meilleur macroude, yalla yalla. Pourquoi faire des pénaux alors qu'on peut tous bouffer des macroudes? Vous êtes hermol ou quoi? Putain, oh, réveillez-vous. Pas possible. Putain, les mecs qui parlent de pénalty, on va gagner quoi des pénaux? Mes couilles, oui. Mes couilles en pleurs, oui. Désolé si ça capte mal, je suis à Dubaï, les gars. Eh, tu laisses les affaires. Après, comme vous voulez. Si vous voulez faire les pénaux, on fait les pénaux, mais après, on fait les macroudes. Putain, réfléchissez, les gars. Hein. Je vous le montre. Je vous le montre. Pardon. Oui, du coup, Guigui, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as un problème ou quoi? T'es malade? T'as mangé trop de feu à la fin, ce midi? J'ai mangé des macros en plus. T'as mangé des macros? Et t'en as pas laissé arracher, des espèces de juifs, salaud, man. Putain, t'es un fumier, hein? Oh là là. Ah, j'en veux plus. Oui, je t'écoute. Ah, non, écoute, si vous voulez, si vous voulez, on fait des pénaltys. Yalla, yalla. Mais ça devait pas se passer comme ça. Je dis ça, je dis rien. Le match, il est là. Ça devait pas se passer comme ça. Le docteur Fuentes, normal, il aura dû faire ce qu'il faut. Il a pas fait ce qu'il faut, docteur Fuentes. Docteur Fuentes. Bon, arrachez mes... Par contre, j'ai écouté ton live, Guigui. Oh, Patrick Bruel, respect, hein. Oh, ça, c'est un mec à mort, attention, hein. Est-ce qu'il paraît, il est à votre barrage, Patrick Bruel? Bien sûr, hein. Rachid, il a casqué, et Patrick, il a chanté, hein, oui. Tu crois que quoi? Et ces mecs-là, souvent, on me dit, ouais, Patrick, on m'a dit quoi le jour de mon mariage? Bernard Tapie me dit quoi? Il m'appelle, Patrick, tu l'auras pas, hein. Comment ça, je l'aurais pas? J'ai allongé les bifetons, il y avait des macros, des falafels, il y avait des boulettes, il est venu, Patrick, il bouffe l'enculé, attention. Il y avait de l'incabini aussi, c'est lui qui m'a fait les grillades. Et gentil ce garçon. Merci Rachid. Rachid, écoutez, on va voir ce qu'on va faire avec le conseil de la district. On peut faire des tirs au but, fait des tirs au but, yalla yalla. Ouais, écoutez, on va voir la décision qui sera prise par le conseil de la district. Ça sera, ça, on vous dira la réponse vendredi de ce qu'on fait de ce match entre Marseille et Kebab. Ça marche, Guigui. Et juste un truc, les gars, bonne soirée, je vous laisse parce que je vais sauter là, je suis en parachute là, je vais sauter de la plus haute tour là, c'est à mon tour. Allez, yalla yalla, bisous les gars. Merci Rachid, Rachid Bensoussan, les gars, merci à lui. Voilà, les gars, écoutez, je vais compter sur vous en tout cas de ce que vous voulez. Putain, faire. Sacré Rachid. Rachid là, enfin, je pense qu'il est toujours en forme. Il est mais encore ça va plus en forme. Il est toujours à des endroits incroyables, ce mec. Ouais, c'est ça, il y a de la tuée dans mon homme sous. De toute façon, dès qu'on a parlé de Brel, mon gars. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, les gars, voilà, on a pu en profiter quelques instants. Allez, on va, je vous propose de passer au résumé, puisque allez, on va, pour ceux qui vont regarder après aussi le replay, comme ça au moins, si c'est vrai que c'est un peu compliqué sur le multiplex de suivre un peu ce qui s'est passé. Je propose, mon Amsou, de commencer par Marseille et le Kebab. Ce qui s'est passé, parce que c'était un match très intéressant, l'entrée dans le stade qui a été vraiment mythique, mon Amsou. Ouais, écoute, l'ambiance de feu, et voilà, comme à chaque fois, hein, peu importe les résultats, c'est vrai qu'en règle générale, les supporters marseillais mettent toujours une très très grosse ambiance au Vélodrome, et pour notre plus grand plaisir. Ouais, en tout cas, les Marseillais qui avaient commencé sur un 4-3-3, on l'avait vu, avec ce mignon triangle aspirant un petit peu, et puis les attaques Fredo, Jean-Luc Dragon qui ont pu exploiter leur talent, et puis Didou, qui a été enfin alimenté et qui a pu se créer des occasions, et puis de l'autre côté, ça a joué au ballon aussi, parce que Medinho, regardez, il a 6 joueurs autour de lui, Medinho, et il se régale, Medinho, il peut jouer avec n'importe qui, mon dame. Ouais, il peut jouer avec n'importe qui, et c'est toujours un plaisir pour même ses coéquipiers de jouer avec un garçon comme ça, qui a une intelligence au-dessus de la moyenne. Et voilà, il est tout petit, pas physique, mais il comprend très bien qu'il faut qu'il se mette en dehors des adversaires pour... Et puis la première faute sur Didou qui amène le coup franc de Max Campbell qui vient ouvrir le score au bout de 5 minutes de jeu.
et Mac tout de suite, qui a été titulaire à la place de David Chadi aujourd'hui. Et là, il a montré à juste titre, parce qu'effectivement, il avait montré lors des entraînements une grosse qualité de au niveau du coup de pied arrêté. Et là, ce soir, on lui a fait confiance. L'entraîneur, il a dit avant le match, c'est des fois Adrien Cabillou ou David Lafont qui tire. Là, c'est vraiment la consigne, c'était de laisser le ballon à Max Campbell et à juste titre, parce que ça fait du calme. Et ben, ce qu'il va devoir, qui respecte la confiance de André Villas-Boas pour marquer dans ce district. Et puis derrière la réaction assez rapide des Kebab avec Abdel Zouri qui a tenté sa chance de loin et deux fois, il s'est pas passé loin à chaque fois. Ouais, c'est pas passé loin, il a une très très grosse frappe et voilà, le gardien qui a pas bougé, il était surpris. Donc attention. Et derrière la pression des Marseillais, c'est Fénel Bistis, pied gauche, c'est dommage, il a pas pu la rabattre comme il faut. Mais la pression sur le gardien, et on voit les Marseillais qui sont tous dans la surface, on a l'impression qu'ils montrent qu'ils voulaient aller marquer. Il y a encore une fois un très bon coup de pied arrêté de Max Campbell qui a, comme je vous l'ai dit juste avant, pour consigne de tirer deux coups de pied arrêté, il avait très très bien tiré. Et Mehdi qui a provoqué, et encore une fois, c'est Abdel Zouri à la retombée qui va prendre sa chance, qui va être dévié sur Majid, qui va contrer ce ballon qui était peut-être cadré. Et derrière, encore une fois, l'équipe d'El Kebab qui aura eu des occasions, Adil et Ayoub, ça se trouve beaucoup. Ce ballon, il est bien donné, regardez cette occasion qui est incroyable, regardez l'arrêt que va faire Lopez. Ah vraiment, alors que ce ballon a été très bon. Et puis derrière, il s'est sacrifié. Et regardez, il s'est sacrifié. Et regardez derrière, sur le contre, Fredo Raja qui s'amuse avec Arpid, qui va le donner sur Adidou. Et Didou qui va enclencher une frappe que personne ne voit. Et Didou qui va faire monter le velodrome là. Ah bon, on voit très bien que Fredo Raja et Adrien Cabidi, quand ils se trouvent, ça fait toute la différence. Et là, ça a été hyper vite. On a vu le coup de rein de Fredo Raja qui a vraiment cassé les reins du défenseur. Et derrière, il donne un bon ballon à Didou. Et Didou, il n'a pas besoin d'avoir forcément le ballon en profondeur. Il a juste à l'avoir dans les pieds. C'est crochet, frappe enchaînée, ça va trop vite. À l'image d'un André Pierre Gignac, c'est un mec qui est très très vite quand il a la balle. En tout cas, ça permet à l'Olympique de Marseille de mener 2-0 à ce moment-là. Et à ce moment-là, Marseille est qualifié pour les 8e de finale. Et puis, on va pas se lasser de refaire ça parce que le petit crochet, le petit râteau de Fredo pour s'ouvrir la passe là où il faut pour Didou. Et puis Didou, allez, il va frapper, il va y mettre son cœur. Elle est imparable, hein, elle est puissante, elle est cadrée, elle est magnifique. Imparable. Sur le contrôle, il éloigne le défenseur et derrière, il a tout d'espace pour enchaîner, accélérer et frappe croisée. C'est tous les attaquants devraient s'inspirer de ce genre de geste. Et puis encore une fois, la défense est pourtant sur un contre, encore une fois, Didou qui est pas loin d'aller chercher son doublé. Et là, le gardien qui prend Didou sur son passage. Et puis les Marseillais qui ont vraiment une occasion avec Jean-Louis Dragon qui va adresser un centre pour Charlie Campbell. On a vu encore une fois le pressing des Marseillais. Et puis Charlie qui est pas loin d'aller chercher ce troisième but et la parade du gardien marocain. Quelle détente de Charlie sur cette occasion, regardez la détente, il reste en l'air au moins une seconde et demie. Donc c'est incroyable la détente. Regardez la détente. Bam. En tout cas, on n'était pas loin du 3-0. Très bel arrêt du gardien d'El Kebab. Ouais, ça aurait pu changer toute l'histoire. Et puis derrière encore sur l'action, là ça on l'a pas vu. Et l'arbitre qui va siffler sur ce corner. Voilà. Et puis derrière El Kebab qui va avoir une deuxième mi-temps, qui va dominer un peu plus la deuxième mi-temps. Les Marseillais qui vont pas réussir à tenir entièrement le score. Ils vont être d'entrée de jeu mis en difficulté sur cette relance de Zaïd pour Ayoub. Ayoub qui frappe comme elle vient, qui prend le de meilleur sur Majid. Si elle est cadrée, mon Amsou, je pense qu'il y a but là. Ouais, et c'est magnifique parce qu'il la voit pas forcément arriver Ayoub. Il essaie, regardez, il donne le coup d'œil juste au dernier moment et là il la frappe comme elle vient, c'est dommage. Ça aurait pu être l'un des buts de la district. Avec après Abdel qui va mettre la pression encore une fois avec Medinho, avec Abdel, on l'a vu en direct, Abdel qui va la remettre sur Medinho qui va frapper et ça va pas passer loin du poteau de Lopez. Il aurait mérité Medinho de marquer son petit but parce qu'il a fait des choses magiques ce soir et dommage il n'a pas été récompensé. En tout cas les joueurs des kebabs. Et puis ils vont être récompensés les kebabs après avoir dominé 10 bonnes minutes et les Marseillais qui ont reculé et cessé de reculer. Voilà, la punition venait arriver avec Adil qui a bien combiné avec Mehdi qui va remettre sur Adil et le centre fort devant Ayoub et Ayoub qui va passer devant Majid. Et là franchement il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça, mon Amsou.
Ouais, il n'y a pas beaucoup et il faut avoir la qualité physique aussi et avoir de très bons abdos parce que se projeter, faire le tour comme ça et tel un serpent, c'est impressionnant. Et voilà, et encore une fois, ça part, on l'a vu au début de l'action, ça part d'un Medinho qui tous les ballons, il est monté par tous les ballons ce garçon, et ça part de lui, regardez au milieu là. Et voilà, c'est magnifique. Et Ayoub, regardez, il fait le tour de Magid qui a été surpris, je pense qu'il ne s'attendait pas à le voir passer devant lui. Et pourtant, il fait l'opposition. Il fait l'opposition, Magid, et au dernier moment, il arrive mais, à le... Mais ça ne suffit pas quand on a un joueur qui est déterminé et un autre qui ne l'est pas, ça fait toute la différence. Et puis derrière, les Marseillais qui vont revenir à l'attaque parce que maintenant, il faut aller chercher le troisième but. L'équipe qui marque, elle est qualifiée tout simplement, c'est comme un but en or. Et c'est Sofiane El Bissis qui prend sa chance. Et qui passe pas loin du poteau du gardien d'El Kebab. Elle passe vraiment pas loin cette frappe, mon Damsou. Ouais, elle passe pas loin et voilà, c'était encore une frayeur de plus. Et voilà, le gardien s'était couché, donc c'est vraiment qu'elle passe pas très très loin. Et voilà. Et là, la coupure d'électricité, mon Damsou, Ayoub qui va partir au but. Et là, la coupure d'électricité, ça aura duré une dizaine de minutes avec le temps de. Et on aura des infos après. Et puis après, Adil qui va pousser la frappe d'Adil, qui est un peu croisé. Et puis il y aura plus trop d'occasions après, suite à la reprise, les corps sont un petit peu refroidis. Le temps de cette coupure, c'était compliqué de rentrer au vestiaire parce que la coupure d'électricité c'était partout. Et du coup, compliqué de garder les muscles chauffés. Le match a baissé un peu de rythme. Pourtant, il y a eu des occasions parce que cette transversale de Fredo Raja pour Jean-Louis Dragon. Encore Jean-Louis Dragon qui fait un super centre pour Didou qui est pas loin de marquer là. Ouais, Didou encore une fois qui a des très grosses qualités au niveau aérien. Et voilà, là c'est dommage. Bon, il a été bien serré de la part du défenseur. Là il est collé, il est bien collé, il est gêné. Voilà, si le défenseur ne le colle pas, je pense qu'il peut ajuster sa tête comme il faut. Et donc très bon geste défensif. Et voilà, c'est fini. Et puis du coup on reste sur une égalité parfaite dans ce groupe. Ni l'Olympique de Marseille ni El Kebab ne sont qualifiés à l'heure actuelle pour les huitièmes de finale. On verra un petit peu, c'est vous qui déciderez ce qu'on fait de Marseille et d'El Kebab, en tout cas mon âme sous. Juste vite fait, on va réagir avec José qui s'occupait du stade au Vélodrome. José, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une coupure d'électricité, José? Ah putain, j'ai pas compris sur ma vie, j'ai rien compris. Putain, tu sais quoi, je te dis un truc, ça c'est les mecs en amont qui ont fait de la merde, c'est les merguez, les mecs. Je te le dis entre toi et moi, Guy, putain, je te jure, moi ça fait 20 ans que je suis au stade, 20 ans que ça m'est jamais arrivé. Il y a un con qui passe avant moi, con, il arrive, il touche un bouton rouge, c'est il faut pas toucher, con. Le mec il appuie dessus, ce connard. Bon, vas-y que j'ai rattrapé, c'est moi, hein, pendant un quart d'heure là. Hein. Alors qu'il pleuvait, il caillait et tout, José il était là, quoi, José il était. Il est monté, je suis monté en haut, mon pauvre, je suis monté à 30 mètres de haut pour allumer les luminaires un par un. Ah putain, c'est un coup d'un mec d'un kebab. Hein. Je peux te dire que ça, c'est un mec, ça vaut rien, quoi. Ça vaut rien, quoi. Putain, ça, c'est. Ils sont bons à faire des merguez à la brochette, les mecs, quoi. Putain, je suis le cœur. Bon, en tout cas, Marseille et les Kebab qui sont à égalité. En tout cas, juste un truc, les gars, ça se reproduira plus. Hein, parce que c'est Bibi qui va s'en occuper, il n'y a rien à foutre. Et la femme, elle peut gueuler. Moi, j'y serai au stade. Hein. Là, j'ai dû m'absenter parce que j'ai le toutou qui a broyé. Donc, j'ai dû aller faire pipi caca. Je m'absente 10 minutes, c'est un bordel. Quoi. Là, fini. José, il sera au stade, il n'y aura plus de problème, les gars. Et bonne soirée, bisous. Et Adrien Kabidi, franchement, tu m'as régalé ce soir. En tout cas, Didou, c'est peut-être le numéro 9 qui manque à l'Olympique de Marseille, Didou. Parce que Didou, voilà, on critique souvent qu'il manque un 9 à l'OM. Et Didou, ça pourrait être ce 9-là. En tout cas, grosse pensée pour Didou qui n'aura pas écouté ce que je dis. Mais en tout cas, je sais que s'il a l'occasion de l'écouter et l'occasion de le dire, je le pense vraiment. Didou, Didou, c'est pas Benedetto. Hein. Je garantis qu'il ne frappe ses buts. Hein. L'autre ex atroche. Ouais, les gars, sur ce, bisous, vous m'avez gonflé. Hein. En tout cas, il y a Raph qui dit José, homme du match, il mérite le maillot de Beckham. Et sans son intervention, on n'aurait pas eu cette deuxième mi-temps, mon Damsou. Ah ouais, mais carrément, mais merci à José parce que vraiment, c'était important qu'on retrouve le direct. Allez, on va rester dans le même groupe. Match qui comptait peut-être un peu moins. Il aurait pu compter pour Carcassonne s'il s'était imposé par 2-0. Mais c'est Paris Brexit qui aura fait le boulot avec une composition avec Arnaud Carbo qui a été. Et qui aurait été important finalement dans ce match. Arnaud Carbo qui aura fait un petit peu l'intérim, le temps d'aller à l'OM avec voilà, cette équipe en 4-3-3. Avec un milieu avec Raph Bonaflexi pour Viera, Pierre Magnan et Vévec. J'aime beaucoup cette attaque, mon homme.
Ouais, j'aime beaucoup ces joueurs qui sont très très intelligents et qui sont très très complémentaires, et comme je l'ai dit encore une fois avec Pierre Magnan qui va très très vite, un Benoît Pecciotto qui joue un peu en faux neuf et un Vévec qui joue en pointe de cette attaque et qui est le finisseur de cette équipe. Et Raph Vévec pour Pierre Magnan, déjà la première occasion. Et Raph qui met un petit peu trop en retrait sur Vévec. Et puis c'est Pierre Magnan qui est pas loin d'ouvrir le score dès le début, première action pour les Parisiens. Et Vévec, sa déviation elle est parfaite parce que du coup elle est pile sur le pied gauche de Pierre Magnan. Ouais, sur le domaine aérien, pour moi les adversaires n'ont aucune chance. Vévec c'est ce qui se fait de mieux et quand on arrive à le trouver sur les points d'appui, en point d'appui c'est vraiment compliqué pour l'adversaire. Et on va dire un petit tournant du match parce que les Parisiens ont mis la pression un petit peu sur les 5 premières minutes. Mais Kevin, qui joue au milieu de terrain, va prendre un carton jaune et à partir de ce moment-là, c'est Carcassonne qui va mettre la pression. Et là, regardez, la défense est un peu compliquée. Alors les conditions météo sont pas évidentes à Paris. Mais c'est Youssef qui sauve sur la ligne cette première occasion. Et ça va être ça pendant une demi-heure avec Carcassonne qui va pousser, qui va pas se créer d'occasion vraiment nette parce que ça va bien défendre. Mais les Parisiens qui vont peut-être, c'est un petit peu dommage en plus à domicile, vont pas produire du jeu et ils vont se contenter de défendre et c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dommage, mais après très 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 bon très très bon match de Carcassonne qui a pas forcément été récompensé ce soir parce qu'ils ont fait de très très belles choses et notamment sur cette action, le voir, regardez là, c'est vraiment énorme. Ah, il manque pas grand chose, c'est dommage. Il manque pas grand chose, un petit peu retrait. Et puis ça a été ça presque. Si cette équipe de Carcassonne avait eu Vévec, il y aurait eu but sur cette action là. Et puis regardez comment ça a bien joué côté Carcassonne. Et heureusement, Arnaud Carbo il a tout anticipé. Arnaud Carbo sans vraiment il va faire un arrêt impressionnant, mais il va quand même bien lire les attaques. Il y a eu des occasions Vévec, mais pas vraiment franche. Bilal est pas loin là aussi avec Carcassonne, ils sont pas loin d'aller chercher quelque chose. Mais encore une fois, c'est Arnaud Carbo qui va sans problème. Ouais, Arnaud Carbo qui a quand même qui a limité la casse parce que ils ont eu pas mal d'occasions, cette équipe de Carca. Et il a limité la casse et lui qui pour l'OM il a fait son boulot quand même, même en étant pour Paris ce soir. Ouais, en tout cas, regardez, là le contre, enfin un contre rudement mené avec Vévec. Vévec qui va donner sur Pierre Magnan. Pierre Magnan, là, quand il est lancé, Pierre Magnan, sur son pied gauche, généralement, il a but. Ouais, ça va trop vite et j'adore ce garçon, Pierre Magnan, j'adore parce qu'il accélère toujours au moment. Regardez, là, il y a la balle qui est récupérée. Au moment où il va la récupérer, regardez, là, ça accélère et là, c'est fini. Et là, le défenseur, il est surpris. Et voilà, comme je dis, des mecs qui vont vite, il y en a. Mais il y a des mecs qui sont intelligents dans leur déplacement et leur vitesse, il n'y en a pas des masses. Et Pierre fait partie de cela. En tout cas, Pierrot qui fait la différence et qui va marquer. À ce moment-là, il prend un but de... Il est à 8. Le Pierrot, on verra après le placement des buteurs. Mais en tout cas, il prend l'avance sur Maxou qui voit Maxou à l'habitant. Il a eu un petit message. On le reverra après avec Saint-Cyprien. Mais on lui a dit, il y a Pierrot qui revient dans le classement des buteurs. Et du coup, on dit, putain, Maxime, on verra avec Saint-Cyprien qui a mis un petit coup de collier après, madame Sou. Ah, il a mis un petit coup de collier et voilà, et je pense que c'est un garçon qui marche beaucoup au mental et voilà, il a été un peu, je pense, peut-être, il a pris ça comme une attaque et il s'est dit, bon, mais il faut que je me remette un peu au diapason et l'attaque a vraiment payé, comme on dit, parce que derrière, il a mis deux buts et attention quand même à pas trop le titiller ce garçon parce que c'est pas n'importe qui. Et puis Carcassonne, on a vu d'entrée de jeu encore qui pousse pour essayer d'égaliser. Et Paris qui joue exclusivement en contre. C'est Youssef qui va remonter sur Osama qui va donner sur Ali Hamza. Et Ali Hamza qui va frapper, c'est pas cadré. Mais voilà une des rares actions en deuxième mi-temps de Paris. Et qui va se montrer efficace sur ce style-là. Et puis là, la Stanley Innovation pour Vévec. Ah, ils aiment Vévec au Parc des Princes, mon dame. Il est pas aimé au Vélodrome, Vévec, mais il est aimé ici au Parc des Princes. Ouais, ah oui, au Vélodrome, il s'est pas fait que des amis. et je pense que José ne peut pas dire le contraire. Mais voilà, oui, mais après, quand il est à Paris, effectivement, c'est une personne qui est très très appréciée et qui donne toujours le meilleur de lui-même à l'image d'un Cavani. Il est là pour l'équipe et il est surtout là pour se sacrifier parce qu'il est seul devant. Et puis voilà, Benoît Pecciotto-Vira qui met le pressing, Flovero qui centre. Je crois que là on voit les actions que j'aurais dû effacer, mon Damsou. Il y a eu des actions que j'aurais dû, mais je crois qu'il y a une occasion sur le corner, sauf si je me trompe, mais je crois qu'il y a un match où j'ai un petit peu dormi. Là il y a une action, je crois c'est Elias. Est-ce qu'Elias il va avoir une action sur Stoke? Ah non, je crois que là on je me suis un peu endormi, mon Damsou. Je me suis un peu endormi, donc ouais, ça va pas durer longtemps, mais je pense que c'est pas grave, Guigui, c'est pas grave, ça fait toujours des actions en plus.
Ah voilà, et c'est bien joué quand même, ça finit plutôt bien. Ça finit plutôt bien, je suis parti d'un peu loin on va dire. Je suis parti d'un peu loin, mais en tout cas voilà, Carcassonne qui a quand même aussi joué en contre. Et quel arrêt d'Arnaud Carbo. Arrêt d'Arnaud Carbo. C'est l'arrêt du match, et c'est l'arrêt important parce qu'un partout c'est pas pareil. Regardez, là, la main ferme. Réflexe, la main ferme. Là c'était pas pareil. Ouais, et puis derrière, Diaby. Alors regardez, Carcassonne qui ils sont solides. Geoffrey. Est-ce que je me suis encore endormi sur cette action? Avec Ayoub Ritter, ah si, Ayoub Ritter qui va donner là-bas sur Benoît Pax au virage. Je crois que Benoît, il va s'en mêler un petit peu. Il a la fatigue, il va s'en mêler. Généralement, il aurait frappé direct. Benoît. La pointe. Il est capable en plus pied gauche, il est droitier, mais il était capable pied gauche de la mettre du corner opposé. Et puis après, c'est vrai que ça a bien défendu des deux côtés. C'est vrai que les occasions, elles ont pas été vraiment franches dans ce match. Avec deux équipes qui ont été solides. Ah voilà, l'action du match. Ilias Magnan, regardez, qui part de derrière, qui met un espèce de crochet. On a la 88ème. Ça fait 88 minutes qu'il court partout, Ilias. Il va la donner sur Aliamza. Aliamza, il va donner une passe sur Ibritaire qui était rentré tout à l'heure à la place de Bébec. Et regardez, au point de pénalty. Et Kala, qui vient passer devant le défenseur. Et qui vient d'entrer au jeu. La pression qui a fait la différence en fin de match, mon Damson. Ouais, magnifique la pression parce qu'on a vu. Ça part de la défense et là Carcassonne justement qui paye un peu tous les efforts du match, qui paye tous les efforts et notamment sur le secteur physique. Et voilà, et Paris qui a appuyé, accéléré au bon moment et là le défenseur, on le voit, il est mort, il est carbo et il est à 3 mètres de l'attaque. Les Parisiens qui s'imposent 2 à 0, qui ont fait le travail, ça a été compliqué. On est un peu décevant les Parisiens honnêtement sur le spectacle qui a été proposé, mais en tout cas ils s'imposent 2 à 0, ils se qualifient pour les 8e, ils finissent première de leur poule. Et regardez la possession d'Amsou, 62% de possession contre 38, c'est pas habituel du côté des Parisiens qui aiment bien quand même avoir le ballon, mais bon voilà, ça, ils ont joué d'une autre façon les Parisiens et ça a été efficace. Ben ouais, ils ont surtout pas eu le choix parce que Carcassonne c'est très très bon sur le secteur, sur le haut niveau de la possession de balle aussi. Et voilà, je pense qu'ils ont très vite compris après les premières minutes qu'ils allaient pas rivaliser sur la possession avec cette équipe de Carcassonne. Et là, allez, on va passer sur le groupe C, le groupe de Canet, le match entre Canet et la Gimière Point. La double de Christa Bué qui jusque-là depuis le début de la compétition a marqué, a été efficace. Et puis la chimère pas contre avec ce 4-3-3. Et Ayoub, Adrien Kabidi, David Lafont alimenté par Damien Benchadi avec un milieu Sofiane, Afid Zouri et puis Ramzi Majidou Gaïda qui en défense centrale ont été complets. Une belle équipe du Conti Roux. Pourtant on va dire ce qu'il est, mais Canet c'est quand même une N3 et ils ont mis en difficulté cette équipe du Mirepoix Conti Roux qui s'est bien battu avec ses armes au début, qui a bien défendu. Mais les occasions elles sont en faveur des joueurs du Roussillon en début avec Tabué qui fait la première différence, mais le pressing en tout cas, ce qui est bien c'est que les défenseurs du Conti Roux, ils ont vraiment défendu sur les hommes. Allô mon Damsou. Ouais, bon après il y a Baye ensuite avec Tabué avec Mamoun de Monaghan, le centre, et Magid qui fait la bonne intervention et derrière le contre. Damien Benchadi qui peut trouver Ayoub Zouri qui trouve à la limite du jeu, il la recule un petit peu avec Abidi exprès et puis Didou qui va profiter, qui a le premier contre, le contre est favorable, il a mis de l'impact Didou et il va aller marquer mon Damsou. On a encore perdu Damsou. Je suis là. T'es là. Voilà, je sais pas si t'as vu le but de Didou. Je disais que Didou il a eu le compte favorable parce qu'il a mis de l'impact sur cette action. Ouais, il a mis de l'impact et voilà, et comme je dis sur le début de l'action, je l'ai dit tout à l'heure, regardez là, Didou était hors jeu, il est revenu sur ses pas, parce qu'il a très bien vu que de toute façon, même si il s'alignait au défenseur, le défenseur est à l'opposé et pouvait pas être récupéré. Après, il y a une petite erreur du gardien qui sort un peu comme un bourrin et qui réfléchit pas trop, regardez. Il sort vite, regardez, le gardien sort. Il sort un peu trop vite et c'est un peu dommage. Dommage parce qu'il aurait pu accompagner et laisser le défenseur venir au contact d'Adrien Kabidi, mais bon, voilà, ça c'est plus facile à dire quand on est derrière un micro que sur le terrain. Et la frappe de Gaspar Otto et l'arrêt d'Amasarda, mon Damsou, un arrêt important à ce moment-là. Le guitariste. Et ben là, en tout cas, les doigts de fée d'Amasarda qui permettent très bel arrêt, tout simplement. Alain Chardin qui était guitariste pour Patrick Bruel pour le mariage de Rachid. c'est pour les intimes. et puis attention, regardez cette occasion. Et la Vercruz qui est pas loin de marquer son 6ème but de la compétition. Vite, et il aurait même pu mettre un des plus beaux buts de cette compétition. Mais quel retourné, mon Damsou. Ça aurait été le plus beau but.
Et très bon ballon, très bon ballon. Il a vu et il fait le geste qu'il faut. C'est dommage que ça pointe. Oh, ça passe vraiment et juste à ras du poteau. Il y a Raph qui dit reviens de la buvette, Dams. Le temps que t'étais parti, il était à la buvette avec Magid de Nérac. Et puis Ayoub. Avec Magid de Nérac, effectivement. Et là, Ayoub sur Didou. Didou qui est pas loin. Là, cette fois, la sortie est plutôt bonne du gars. Et juste Magid de Nérac qui est très très généreux au niveau de la buvette. Donc je vous le conseille, les gars. Si vous voulez boire un petit coup, c'est moi. Un verre acheté, un verre offert avec Magid. C'est comme ça, il aime partager. Bon, en tout cas, et là, je disais la sortie du gardien là cette fois qui était plutôt bonne du coup qui empêche Didou de marquer son deuxième but. Kané qui va repartir un petit peu à l'attaque avec Wadoudi tout seul, pourtant il est bien pris par Didou qui fait l'effort défensif pour essayer de dégêner et la frappe derrière qui est pas cadrée et Alain Sardin qui va accompagner ce ballon mais les joueurs de Kané qui sont constamment dangereux et malgré la bonne défense de Mirepoix c'est pas loin de faire moucher. La dernière occasion elle sera pour Kané avec Baye qui va donner sur Tabuem, mon Damsou. Et regarde, cette occasion avec Vercruis. Elle est contrée par Magid qui vient sacrifier. Ouh, il a marqué dans le dos. Magid. Ouais, je pense qu'elle partait très très bien cette frappe. Ouais. Et encore une fois, Tabué Vercruis qui a posé des problèmes. Mais bon, ça a pas, ils ont pas trouvé le chemin défilé ce soir. Et à chaque fois, Vercruis, il est bien gêné parce qu'il y a toujours un pied de Magid ou quoi que ce soit, ça défend bien. Puis cette frappe, Damien aussi, pareil, qui partait bien, corner, et après on connaît la suite, mon Damsou sur ce corner, qui va être très bien tiré par David Lafont, on va revoir juste l'action, je pensais pas qu'on allait la revoir, mais en tout cas Magid qui récupère ce ballon assez haut, et Damien qui frappe, elle partait bien, et derrière, le corner magique, et encore un corner, c'est le troisième corner qui est marqué par l'équipe de la GM, qui est très efficace sur corner, très et avec trois buteurs différents. La dernière fois c'était avec Didou, Ayoub et maintenant c'est Afid. Franchement David Lafont il régale ses partenaires mon Amzou. Ouais il régale et voilà et Afid a juste à mettre la tête en opposition, il a rien d'autre à faire parce que c'est très très bien tiré et ça va trop vite. Ça va trop trop vite pour le gardien parce que quand c'est tiré aussi fort et entre le point de pénalty et la cage de but, là c'est compliqué d'intervenir. Et puis bah, qui va essayer de trouver Taboué et au premier poteau et encore une fois ça veut pas vraiment, ils ont tout testé, ils ont tout tenté les joueurs de Kané mais soit c'était bonne défense soit le cadre était pas trouvé, ils ont tenté de loin sur coup franc, sur coup de pied arrêté, retourné, tête, ils ont tout essayé et Alain Serda encore une fois qui s'impose et puis derrière le contre on a Damsou avec Ayoub qui va donner sur David Lafont qui va trouver Sofiane Elbissi, c'est très bien joué encore de la part de David Lafont qui va trouver François Gueye. Il me semble que François Gueye va revenir. Il va bien fixer François Gueye. Il va centrer sur la tête d'Ayoub, mais elle est un petit peu trop en retrait cette tête. Ouais, elle est un peu trop en retrait. Voilà, il la prend sur le reculoir et là c'est compliqué. Et encore une fois, Benjadi qui trouve David Lafont là 3-0. Le match aurait été plié, mais il va pas cadrer. Il va pas cadrer c'est dommage, David, c'est dommage. Il aurait dû être récompensé de tout son match et je pense que c'est la fatigue. Il a fait beaucoup d'efforts ce soir et je pense que la fatigue a et pourtant la frappe était plutôt belle. Hein. Si elle est pleine lunette, celle-là, il manque rien pour lever les foules, en tout cas du côté du Contirou. Hey, Kané qui va essayer de sauver l'honneur. Maintenant, le match est plus ou moins plié. Et puis encore une fois, même ils vont essayer de tout faire les joueurs de Mirepoix pour garder clean sheet. Et ça montre que cette équipe, elle est solide, mon Amso. Ouais, cette équipe, elle est solide, voilà, et elle a aussi ce facteur que d'autres équipes n'ont pas, ce facteur réussite et ce facteur chance, voilà, parce que ce soir, ils ont eu aussi un grand Alain Serdam, mais ils ont eu une part de réussite, parce que Vercruz et Taboué aurait pu marquer plusieurs fois ce soir. Ouais, et puis après, Amanat qui va centrer, et c'est pas fait avec Sofiane Elbissi, le tacle de Baye, regardez, ils vont quand même s'arracher, les gens de Kané, mais ça, ils vont toujours pas marquer. Décidément, c'était pas justement, leur soirée. C'est ce que je viens de parler à l'instant, Guigui. C'est voilà, cette part de chance parce qu'effectivement, là, il est tout seul au point de pénalty. Voilà, c'est peut-être un coup du karma, je sais pas, mais normalement, il doit y avoir buté. Et dans l'occasion, on la sifflera pas, ils n'iront pas jusqu'au bout. Mais Mirepoix qui tient sa victoire 2-0, un peu comme face au PMV où, malgré avoir été dominés, ils ont été très solides et ils ont été efficaces, mon Damsou. Et ils méritent leur qualif, mon Damsou. Ouais, ils méritent et voilà, et comme tu l'as dit, ils ont été solidaires autant sur le secteur. Voilà, après, ils ont des qualités offensives qui sont indéniables. Ils ont des fois quelques lacunes défensives parce qu'ils se projettent souvent vers l'avant avec Magid qui est un sacré relanceur, mais des fois, il faudrait qu'il balance et joue un peu trop à la baballe. Ça, c'est son défaut. Mais oui, effectivement, voilà, ils ont mérité parce que vraiment, il n'y a rien à dire. Ils ont été solides autant défensivement qu'offensivement.
Bon, en tout cas, ça fait que le mien pour continuer est qualifié. Et puis dans ce match, Saint-Cyprien était déjà qualifié. Ça, c'est le dernier match un peu pour le plaisir parce qu'en plus il y a eu 7 buts. C'est quasiment la moitié des buts qui ont été marqués sur ce match, mon Amsou. Donc on va en profiter avant de rendre l'antenne pour voir ce qui s'est passé dans ce match. Et très vite, c'est Saint-Cyprien qui a ouvert le score. Ben Ali qui met pour Patrice Vietin. C'est pas encore, c'est l'arrêt. Et c'est même pas encore l'ouverture du score. Ils ont vraiment commencé sur chapeau de roue. L'arrêt magnifique de Yves. Et puis dans l'action qui suit, très belle arrêt de Yves parce que c'est à bout portant et il fallait aller la chercher. Mais la deuxième, allez, par contre, on pourra rien faire là parce que à bout portant, sans regarder de but, Ben Ali, il fait un expert pied gauche sans regarder de but, je crois. Regarde la passe là de Patrice Vietin. Il regarde même pas le but. Il regarde même pas le but. Il regarde là, tout le passeur. C'est pas passe aveugle, c'est tir aveugle. C'est tir aveugle, mon dessous. Effectivement. Ah, il regarde à ce moment-là. Il a regardé avant. Il a regardé avant le but. Et une fois qu'il a eu le ballon, il a fait le petit geste. Exactement. Et ça c'est la classe. Et puis Mathieu Guillaume qui était pas loin et Alex Olilo, la transversale. C'est un match, ça ça a été spectaculaire ce match. Voilà, comme quoi les matchs où il y a peut-être pas le plus d'enjeux. C'est à se bouffer les couilles du côté de. Allez, c'était magnifique. Paris-Marne-la-Vallée. Et bel arrêt de Pierre Urbon, passage en tout cas, qui a fait un super arrêt. Et puis Alex qui va donner sur. Qui va aller encore tout ça. Regarde la vitesse d'Alex. Alex sur son côté. Ah, on sait qu'il est. Il va très vite, Alex. Il va très très vite. Il va la mettre en retrait. Et l'arrêt magnifique de Pierre Urbon, mon âme. 3 Pierre Urbon, quel arrêt. Et juste l'action d'avant aussi, il a fait un sacré arrêt. Et je pense que c'est lui qui permet ce soir à son équipe aussi de s'imposer. Et puis de l'autre côté aussi, on a Yves Rougnier. Et pourtant, le match des gardiens, on l'a dit. Et pourtant, il y a 4-3. C'est pour vous dire qu'ils n'ont pas été aidés par leur défense quand même. Il y a eu pas mal de largesse défensive, on va dire, dans ce match. OL qui va donner sur Maxime. Maxime qui va donner. Et dommage, Maxime. Il frappe là, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense qu'il faut la mettre sur Ben Ali sur le coup là. Il a voulu le marquer de suite, mais il a été, voilà, comme tu as dit, il a été informé des buts sur les autres pelouses et il avait vraiment envie de marquer son but. Et il a oublié ses partenaires, surtout sur cette action. Ah, c'est dommage, je pense qu'il fallait la donner. Et puis Patrice Vietin qui va pouvoir centrer pour Maxime Fouché. Maxime Fouché qui cadre pas. Là, on se croise, il commence à s'énerver un peu, Maxou. Il s'énerve, il s'énerve et on sait très bien qu'il faut garder son sang-froid quand on est attaquant. Plus on va s'énerver, moins on va y arriver. Il s'énerve, vraiment, comme tu dis, il s'énerve, il est fou de rage. Et je pense que la mi-temps lui aura fait du bien à ce garçon-là. Ouais, et puis Saint-Cyprien qui a quand même des occasions franches, encore une fois. Ça essaie de passer. Le Maxime qui se bat bien pour frapper, mais c'est contré. On sent que c'est compliqué cette première mi-temps pour Maxou. Et puis enfin, Alex qui va faire le travail pour son frère, pour Steve. Et là, le centre de Steve, magnifique. Il a du monde. Il va la mettre au premier poteau, là où il faut. Et c'est Thomas qui va. Vraiment un geste d'attaquant magnifique pour Thomas. Qui vient marquer son premier but en district, mon Amsou. Premier but pour Thomas. Malgré tous les districts qu'il a joué. L'appel qui est fait. Il part vraiment de loin, regardez. En tout cas, la grosse accélération sur le côté, c'est Alex, il me semble. Et c'est Alex qui donne sur Steve. Ouais. Et Steve qui va centrer. C'est Steve, voilà, c'est Alex qui fait le décalage et qui donne sur Steve. Et Steve qui donne un très bon ballon. Quel geste. Et on voit que Thomas vient de très très loin, c'est ça qui est. Il est déterminé, contrairement au défenseur, toujours pareil. Et un garçon déterminé vaut mieux que deux, tu l'auras. Et puis Pascal Padros, c'est contré, regardez comment ils se battent quand même les défenseurs du PMB. Ça aurait pu rentrer quand même cette frappe. Et c'est Thomas qui vient de marquer, qui vient sacrifier sur cette action parce que la frappe de Pascal Padros était plutôt puissante. Et regarde cette frappe, Thomas il va sacrifier. Il aurait bien presque pu marquer contre son camp là. Ouais mais bien joué de la part de Thomas parce que peut-être qu'il a été cadré au départ, donc il s'est sacrifié et heureusement du côté pour Paris-Marne-la-Vallée. Et puis la dernière occasion, il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match, il y en a eu autant que dans 2-3 matchs réunis. Et Maxime qui est pas loin mais qui croise trop. Maxime là, à ce moment là, je pense qu'à la mi-temps il a fait le plein de Dr Fuentes pour revenir dans le match. Parce que c'était compliqué pour lui la première mi-temps. Et juste, c'est pas mal ce qu'il dit Raph, il me dit ça me rappelle les derniers matchs en multiplex de la Ligue 1 il y a quelques années. En arrière où il y avait des buts même dans les matchs en jeu. Et justement c'est surtout dans les matchs en jeu où il y a le plus de buts, mon absolu. Et regarde la retournée là de Nico Rabet qui est quartier libre total. Décidément les retournées, il y en a une qui ont été tentées, c'est dommage qu'elles rentrent pas. Hein. Ouais, c'est dommage qu'elles rentrent pas et voilà, pour revenir aux commentaires qui est dit sur le chat, oui effectivement, et voilà, ça rappelle vraiment un jour de foot où moi je. Oh là là, quel but, pardon, quel but. Ouais, c'est vrai que le coup est tellement bien tiré là.
Et moi, ouais, ça me rappelle vraiment un jour de foot. Et moi, je kiffais rester justement pour regarder les résumés des autres matchs. Et ça rappelle tout ça. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, voilà. Mais ce but aussi, on revient sur ce but. Parce que le coup franc là de Alex, il est tellement bien tiré. On en parlait tout à l'heure pendant le live. C'est coup franc comme ça là. Ça a montré dans les écoles de football parce que c'est les plus dangereux. C'est à peine touché. Et ça suffit, pourtant c'est touché par un défenseur, tous les joueurs sont dangereux du coup pour le gardien. Et souvent on dit que les coups francs sont dangereux que quand ils sont entre les 20 et 30 mètres, et pas du tout, regardez, il a 45 voire 50 mètres et il est capable de mettre un long ballon et un but contre son camp du défenseur adverse. Et puis Maxime Fouché qui revient dans son match, c'était compliqué la première et là sur sa première action au point de pénalty, le contrôle il est parfait, l'enchaînement est rapide et ça fait 2-2. Et on peut voir un changement de comportement de Maxou qui a vraiment changé de comportement par rapport à la première mi-temps. Il est plus disponible pour les copains et il se met un peu plus dans les intervalles. Je pense que le coach a eu le bon discours pour ce garçon qui était en manque de confiance. Et voilà, une fois que la confiance repart du côté de Maxime, on sait ce que ça fait, c'est efficace après derrière. Et puis voilà, Maxou, regardez, équipe des passes qu'il faisait pas au début du match, il se montre de suite disponible et là il va pouvoir frapper. Alors c'était compliqué, la belle frappe et la belle arrêt de Yves. Ensuite le PMV qui essaie de repartir avec Mathieu avec Gianluca qui va donner sur Kevin Olilo qui joue un petit peu en retrait, qui va donner sur Mathieu, et là c'est Linkin Park qui frappe, mais il n'est pas en réussite non plus. Linkin Park, il n'a pas marqué dans ses districts, et là sa frappe qui s'envole. C'est dommage, il aurait peut-être dû un peu plus choisir l'enroulé que la grosse frappe. Regardez la petite enroulée qui était peut-être un peu plus judicieux, mais là, il a choisi la grosse frappe. Et puis enfin, Kevin Olilo, encore une fois. Kevin Olilo, il a été important parce qu'il a apporté le danger. Il essaie de trouver, il va mettre un crochet qu'il faut. Okay, on ne voit pas partir, le crochet, il a fait la différence. Mais Pierre Urban qui fait encore un très bel arrêt. Kevin Olilo, on va le voir partout. Kevin Olilo, le contrôle, il efface. Et puis Nico Rabet, l'enroulé face au but. Et là, Pierre Urban, il peut rien faire. C'est Nico qui va marquer le troisième but pour le PMB. Magnifique. Et voilà, ouais, la défense qui s'est découverte. Et encore une fois, Kevin Olilo, regardez, ça va trop vite. Il dépose le défenseur, enfin le milieu def. Il le dépose sur l'accélération. Ça, il faut avoir, comme je dis, une très très grosse préparation physique et une très bonne hygiène de vie. Et ce garçon, il a les deux. Donc, et la passe, elle est magnifique derrière. Et il a juste à enrouler Rabet. Et puis derrière, ça Cyprien qui va encore réagir. Alors c'est un peu compliqué Ben Ali, mais il va s'en sortir. Il va la donner à Maxou. Non, il va y aller tout seul. Je sais plus ce qui se passe sur cette action. Et il va se passer un truc. Ben Ali qui va s'amuser. Il va s'entrer. Ah oui, c'est pour Pati Mieta. Et la parade. Alors on pense à la transversale, mais c'est Yves qui va faire une espèce de claquette sous la barre. Qui va la sortir. Mais vraiment sur cette tête de Pati Mieta, décidément magnifique arrêt. Il y a que Yves qui est capable d'un arrêt comme ça. Il y a que lui qui est capable. Il est capable du meilleur comme du pire. Yves, tout simplement, c'est pour ça que on l'aime Yves et on le salue. En tout cas, j'espère que je vais essayer de le faire briller. Je vais essayer de le faire venir. Je sais qu'il vient de temps en temps. Il vient au début et il part un peu vite, mais je vais essayer de le faire rester un de ces quatre. Et puis derrière Pascal Padros, qu'est-ce qui va se passer sur cette action avec Well qui va donner sur Enzo. Enzo qui a marqué tout à l'heure contre son corps, qui va le donner sur Maxou. Maxou qui va faire le crochet. Ah, c'était pas long. Je pense que là aussi, je me suis un petit peu endormi, mon Damsou. Mais ça, ça peut arriver. Parce que là, il se passe pas grand chose. Ça fait partie des aléas du direct aussi, hein, les gars. Avec Pascal Pavros. On reste ensemble et c'est ça le principal, en tout cas. On fait durer le plaisir un petit peu. Bon, là, c'est une action que j'aurais dû couper un petit peu. Mais ça va finir sur quelque chose à un moment. Ça va finir sur quelque chose. Et je me demande si ça finit sur le but de Maxou. Ça va finir sur le but de Maxou, mon Damsou. Voilà, ça finit sur le but de Maxou. Et là, ce qui est intéressant, c'est que regardez, Maxou, il a déjà fait plusieurs appels au tout début de l'action. Il n'a pas été on lui a pas donné le ballon, donc là, il baisse la tête. Il a plus envie et au moment où il lève la tête, il a le ballon dans les pieds. Les buteurs. Et là, il peut enchaîner. Regardez. Ouais, il en a marre là. Il est dégoûté. Là, il lève la tête. Et là, il va le moment. C'est aussi les grands attaquants, ils sont râleurs, un peu comme des Zlatan, des Ronaldo, mais quand ils ont l'action et qu'ils ont le bon ballon, ils sont toujours dispo. Et malgré tout, regardez finalement cette action collective entre l'individualité de Maxou et la collectivité de cette équipe. Et c'est Kevin. Je suis content que Kevin Olilo ait marqué ce but parce qu'il le mérite. Il a fait un gros match ce soir. Il a fait un très très gros match. Il a été le meilleur joueur pour moi sur les deux équipes avec peut-être Maxime Fouché. Et vraiment, ils magnifique, ont. Magnifique, le petit enroulé à l'Henri là, magnifique.
Alors vraiment l'action collective là franchement il est collectivement elle a montré de belles choses cette équipe de elle a manqué c'est peut-être derrière que ça a pêché du côté du PMB. Bon en tout cas offensivement par contre ça faisait partie peut-être des meilleures équipes. Ils ont quand même fait 4ème la semaine dernière et puis la dernière occasion et puis c'est Yves qui va sauver la patrie dans les pieds de Maxou. On entend Maxou qui ricane en disant que voilà qu'il est un peu déçu sur cette action. En tout cas ça fait 4-3 pour le PMB qui va peut-être, on va voir s'ils sont d'accord, mais c'est possible qu'ils jouent la consolante du coup le PMV. Ouais, je vois un petit peu qui, ça dépend au détriment de quelle équipe. On verra comment ça va se passer, mais le PMV qui a peut-être accroché son ticket, mon Damsou, pour la consolante. Ouais, je pense qu'ils ont accroché le ticket pour la consolante et ça fait plaisir parce que vraiment il y a de sacrés joueurs comme notamment Kevin Olilo qui nous a régalé ce soir. Bon, en tout cas, mon Damsou, voilà les classements. Je vous fais un petit peu le point. Ça, c'est Cyprien et la Jimir pour Contirou qui vont continuer l'aventure en district, tout simplement. Oui, bien sûr, en district. Le Paris-Marne-la-Vallée qui va peut-être être versé en consolante. On verra un petit peu si on verra au niveau des équipes qui vont arriver. Puisqu'en fait, voilà, si vous tombez sur cette vidéo, les gars, s'il y a des gens qui veulent créer leur équipe et qui veulent l'intégrer à la consolante, il y a encore des places ouvertes. Donc voilà, le PMV a pas été très suivi. Peut-être pour ça que voilà, mais en tout cas, si jamais il n'y a pas la place, le PMV jouera cette consolante. On verra un petit peu comment ça se passe et en fonction de vous, les gars. Et puis Canet-Roussillon, voilà, qui aura bien commencé cette district avec une première victoire. Puis ça a mal fini, malheureusement. Ouais, ça a mal fini. Et tu m'as fait peur, Guigui, quand tu as dit si vous voyez cette vidéo, c'est que tu vois, ça fait toujours peur quand on entend ça. Je croyais dans un film. Les gars, si vous voyez cette vidéo. Adieux, tu sais. Vous voyez cette vidéo, les gars. Les gars, je vous dis la longitude 456 et 3225. Vous comprenez en longitude. Si jamais vous trouvez quelque chose à cet endroit-là, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, j'ai des révélations, les gars. Et tu aurais pu terminer en disant. Omar m'a tué, tu vois. C'est un truc comme ça, tu vois. Non, mais après, oui, je sais même plus ce qu'on disait, pardon. Oui, bon, tu me dis, fais part, je pense que tu voulais parler du Paris-Marne-la-Vallée de Canet-en-Roussillon, je pense, non? Ouais, Paris-Marne-la-Vallée et Canet-en-Roussillon qui vraiment ont, surtout Paris-Marne-la-Vallée qui a brillé ce soir et voilà, Canet-en-Roussillon qui nous quitte, il me semble, c'est ça, Guigui? Je crois Canet-en-Roussillon, ouais, ça, il n'y aura plus de consolante pour le Canet. À part si les mecs de Canet ont vu le premier live et qu'ils me disent, ouais, trop fort ce que t'as fait, un peu comme on fait Cabestany, mais si jamais ils n'ont pas réagi à ma vidéo. Donc du coup, à mon avis, j'ai peur pour Canet. Les gars, si vous voulez que ça continue, si vous voulez que l'aventure continue, les gars, tapez YouTube et voilà, en avant. Voilà. Et voilà, ouais, c'est bon, en espérant peut-être les retrouver, Paris-Marne-la-Vallée, voilà, qui va intégrer cette consolante et voilà, avec des et attention à cette équipe parce qu'il y a des très grosses qualités. On l'a vu sur ce dernier match. Sur ce dernier match, ils ont montré des choses qu'ils n'avaient pas forcément montré avant. Et je pense que d'avoir peut-être un peu enlevé Paul Pogba. Il n'a pas débuté, il me semble. Si, il n'a même pas joué du tout. Je pense que d'avoir enlevé un peu Paul Pogba qui posait des problèmes au niveau de surtout de sa stature et du fait qu'il soit un peu la star de cette équipe, de l'avoir un peu écarté. Peut-être qu'il reviendra dans les prochains matchs avec une autre mentalité et Paris-Marne-la-Vallée qui a quand même accroché Saint-Cyprien 4-3 et Saint-Cyprien qui a quand même de sacrés joueurs devant, hein, n'oublions pas. Donc peut-être que ça va leur donner de la force pour cette consolante. Et Mirepoix qui n'était pas passé loin finalement sur ses occasions de 3 ou même si ça s'est pris n'avait pas été aussi efficace devant, la Jimirepoix qui n'était pas passé loin de prendre la première place dans ce groupe finalement. Exactement, et qui a vraiment fait preuve de solidarité, qui... Après Saint-Cyprien avait fait ce qu'il fallait lors de ses trois premiers matchs, de ses deux premiers matchs pardon, ils avaient fait ce qu'il fallait et voilà donc ils pouvaient se permettre ce soir de perdre ou de faire match nul, mais voilà on avait beaucoup de buts et sachant qu'il y avait les deux meilleurs gardiens en face, donc quand on voit un 4-3 et pourtant ils ont fait des arrêts, ils ont fait des arrêts mais voilà les défenses ont été un peu aux abois, mais bon c'est vrai qu'il y a des sacrés attaquants de chaque côté. C'est compliqué à gérer tout ça. Et puis enfin, l'autre résultat, Paris qui s'impose d'un 0 contre Carcassonne, donc Paris United qui est qualifié et qui prend la première place. Par contre, entre El Kebab et Marseille, on a une égalité parfaite. On va voir ce qu'on va en faire dans les prochains jours, je vous tiendrai informé. Pour le moment, on ne sait pas qui de Marseille ou El Kebab arrache sa place en 8e de finale. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y en a une des deux qui continuera son aventure en district et l'autre qui continuera de toute façon son aventure en consolante. Donc, avoir la consolante aussi, ça peut être pas mal parce que
Bon, pour le moment, on conscient Nantes, c'est pas sûr, mais on commencera en quart de finale. À part s'il y a un peu plus d'équipes, on pourrait commencer en huitième de finale. Mais ça veut dire que, passant en conscient Nantes, on est déjà à 2 matchs de la finale, hein, mon ami. On a déjà 2 matchs et voilà, et tout peut se jouer, on l'a vu notamment l'année dernière. Voilà, peu importe, il n'y a pas de phase de poule, comme tu l'as si bien dit. Donc vraiment, en 2-3 matchs, on peut atteindre la finale. Et voilà, quand on sait dans la tête qu'on a juste 3 matchs et on peut être champion ou juste 3 matchs à être en finale, c'est pas du tout pareil que quand on en a presque 8 ou 9. Donc voilà, donc là, dans les têtes, c'est totalement différent. Et voilà, n'importe qui, j'ai vu de très belles choses ce soir. Voilà, Paris-Marne-la-Vallée qui peuvent aussi aller accrocher sur ce que j'ai vu ce soir. Avec à la baguette hein, Kevin Olido qui a été en feu ce soir. Wow. En tout cas, ça lui fera plaisir à Kevin. Je vais lui montrer ça. Parce que du coup, il a du mal un peu à venir. Il a du mal à accrocher avec le Moi, concept. j'aime Mais beaucoup j'aimerais bien le Kevin et voir, voilà, Kevin. j'espère qu'il m'entendra parce que c'est vraiment, je dis ça avec le cœur et voilà. Et quand tu veux, on y rasbore une noisette. Moi, c'est avec grand plaisir. Allez, les gars, le classement des buteurs. Allez, regardez, j'ai mis un petit peu tout le monde, tous ceux qui ont marqué ce soir. Maxime qui prend avec 2 buts, qui va reprendre un peu d'avance sur Pierre Magnan, qui avait pourtant marqué. Ayoub Zouri aussi qui a marqué hein, ce soir. Ayoub, il a aussi marqué. Et Didou, regarde, Didou qui accroche la 5e place. Et ça fait plaisir, mon Damso. Ouais, ça me fait plaisir et je suis content aussi de voir Ayoub Zouri parce que c'est un garçon que j'apprécie aussi. Et voilà, Pierrot qui a encore frappé ce soir et voilà, qui reste quand même, qui accroche Maxime Fouché. Voilà, et on voit très bien que si Maxime ne marque pas et ne fait pas ce qu'il faut derrière, Pierre lui fait ce qu'il faut. Donc voilà, donc Maxime sur cette deuxième mi-temps, il a senti qu'il était accroché. Effectivement, il a remis des buts et voilà. Et oui, Adrien Kabidi, ouais, ça fait plaisir. Il est enfin récompensé du travail qu'il fait au quotidien. Et voilà, surtout dans ce stade Vélodrome, quand il a marqué, on a vu des supporters vraiment hurler et sauter sur les grilles parce qu'ils apprécient énormément ce joueur. Bon, et puis en plus, petite mention aussi, regardez, il y a Raph hein, qui est sur le live, il est là, Fredo Raja, il est là aussi, ils sont classés, les gars. Et puis ce soir, il y a Ben Ali qui a marqué son 2e but, Nico Rabet aussi, qui sont dans les buteurs de cette compétition. Et puis leur entrée, ceux qui n'avaient pas marqué depuis le début, Max Campbell, Kevin Olilo, Thomas Vidalek avec Afizuri et Kala, qui aussi, petite mention pour eux, qui ont eu leur petit moment ce soir. Et qui Ma du coup petite mention est intègre. juste demander à Fredo Raja, je vais venir à la commanderie dans la semaine pour qu'il me montre ce petit râteau là, que je sais pas comment il a fait, mais bah, j'aimerais qu'il me montre ça parce que voilà, j'espère pouvoir montrer ce geste-là à mes futurs enfants parce que c'est magnifique. Merci Fredo et je vais venir à la commanderie, on boira quelques bières et tu me montreras ce petit râteau là juste avant la petite passe sur Didou. Donc ouais, je sais que tu es capable de me montrer quelques petits trucs intéressants. Donc voilà, ce serait avec grand plaisir que je viendrai à la commanderie. Allez les gars, le match de vendredi soir, madame Soup sera avec nous 20h45. Ça laisse le temps un petit peu à chacun de préparer sa petite soirée. Kobatim Pamier, ça sera le gros match et ça sera sur Twitch, hein, les gars. Ça sera sur Twitch Guigui09. Il y aura une rediff sur YouTube comme d'habitude. Et puis, donc ce Kobatim Pamier qui sera important. Et là, à mon avis, il y aura du monde, mon Amso, entre Kobatim et Pamier. Il y a Ah, il y toute la aura du Kobatim qui est monde. là. Et moi, en tout cas, Il y je aura du serai monde. là et chaud bouillant et voilà. Et hâte de voir le duo Pec-Choto-Mekid qui va être en feu, je pense. Et aussi du côté de la Kobatim avec cette fameuse joueuse qui s'appelle Naou. Guigui. Naou, Naou. Naou. Ouais, Anaou, elle t'a merci marqué. Naou, c'est qui? Ouais, elle m'a marqué. Genre, elle m'a pas marqué que sur le parking, elle m'a marqué aussi sur le terrain. Et voilà, ouais, cette petite Naou, hâte de voir ce qu'elle peut proposer face à cette équipe de Pamiers. Et puis on verra aussi Nderak. Alors Fredo, il m'a dit ils ont sponsor d'Intermarché. À mon avis, ça va être chaud entre Nderak et N. Ça risque de pas finir à 11 contre 11. Et c'est aussi ça le match de district qu'on a sous les matchs où quand on va se déplacer un petit peu en campagne comme ça et ça risque de mal finir pour ses chevilles. Et on connaît la fameuse phrase, mon Damsou. On bosse nous dimanche, on bosse le lundi. Hein. Les gars, nous on bosse lundi. Tu l'as connu celle-là, Damsou. Ah, la phrase c'est je bosse, merde. Et puis. Ah après, ben oui. Ouais, c'est une célèbre phrase que j'ai entendue aussi de la part de Driss El Hassani. Et voilà, il prenait des boîtes tout le match et à un moment donné, il a dit au 10 d'équipe adverse, je bosse demain, merde! C'est vrai que c'est des phrases qu'on peut entendre que en district et ça fait toujours plaisir. Et ça reste aussi, district, on peut entendre à la fin du match, moi j'en ai rien à foutre, je vais boire un coup chez Paquito. Voilà, c'est. Ah là là, les gars, si on est une équipe, on va chez Paquito là. Rien à foutre là.
Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir, ouais. Bon, voilà, et puis le match, après il y aura un autre match assez important, Urban Soccer Montauran contre Muret, ça aussi ça va jouer la qualif là-dessus. Là par contre ça va jouer au foot, parce que là c'est plus du foot un peu plus technique, un peu plus de five, donc ça va, c'est du jeu rapide et ça peut être très beau à voir. Et puis enfin Foix contre Metz, là Foix c'est aussi une des plus belles équipes d'Ariège, qui est qualifiée déjà et qui va peut-être jouer un peu plus tranquillement contre Metz, Metz qui va vouloir aussi sauver l'honneur. En tout cas voilà, du football de partout, du football de tous les côtés, et ça va être encore beau vendredi prochain mon Amsou. Ouais, ça va être encore beau et effectivement avec encore des matchs en jeu. Je pense à Kobatine Pamier et voilà, après Foix Metz, je pense que Foix va faire tourner et à juste titre, voilà, parce qu'ils n'ont plus rien à jouer, ils sont déjà qualifiés. Et voilà, Metz, attention à Metz aussi qui va peut-être profiter sur le fait que Foix fasse tourner. Et j'attends de voir aussi Urban Soccer Muret qui tu l'as dit, c'est deux équipes qui jouent souvent sur les soccer. C'est très technique et ça va se rendre coup pour coup. Les gars, ça a bugué la vidéo, c'est pas grave, vous verrez ma tête en gros plan. Voilà les gars, c'est ça aussi le district. District jusqu'au bout. Le problème, c'est que j'ai l'impression que même en éteignant le téléphone, on va garder l'image. J'éteins mon téléphone, et toujours dit, je comprends pas. Bon les gars. Oh là là, en tout cas, il est. Téléphone, il a bugué. Ah putain quoi. J'ai loqué les gars, j'ai loqué. Ah les gars, c'est bien. C'est un truc qu'on fait, c'est adieu. A plus Guigui, merci. En tout cas, ça a été bien sympa. Bon les gars. À la production, machin, nana, merci Guigui, c'est gentil. Ah là là. Oh, sacré Guigui, on va le regretter. On embrasse la Guigui après. Ah, magnifique. Les gars. J'en pleure, les gars. Voilà, écoutez, on est plus que toi, moi et deux gars sur le chat, les gars, sur mon raf. Eh, Guigui, ça reflète la qualité de la webcam. Oh, tu as un problème là, la webcam elle est pas branchée là, non? Je vois le ventre. En tout cas, on aura rigolé. Merci les gars d'avoir partagé le délire. Parce qu'il y a qui sait qu'on peut voir ça en tout cas. J'espère qu'on va revivre ça vendredi. En plus, je sais qu'il y aura plus de monde, ça va être encore plus lourd, les gars. Avec grand plaisir. Ah, bah en tout cas les gars, on se dit à vendredi et on va se quitter mon Damsou comme d'habitude avec les buts de la soirée face au jour de foot. Prends son temps mon Damsou et surtout on n'oublie pas un truc mon Damsou et ça toi tu le sais et c'est toi qui vas nous le dire mon Damsou. Et on n'oublie pas l'attestation parce qu'ils sont partout ces salauds. Allez les gars, bonne soirée à vous les gars, ciao. Bonne soirée les gars, merci.